bouquin de quête, c'est bon, j'ai le bouquin de quête. Et maintenant tu vas... Tu vas demander à Nel ce qu'il faut faire. Ok, Nel, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Bah, il faut mettre l'ancre, Nel, voilà ce qu'il faut faire. Sinon le bateau il se barre. Il y a Pardy sur le bateau. Non, vas-y, comme moi j'ai de l'argent. Bon, bah ça je sais pas. Hein. Ok, et du coup. D'accord, après... j'ai bien de l'argent. Quand on est à la fin du bouquin, on fait quoi? Même il faut regarder le tracé. Ah. Ça ah, va, bon. Tu galères pas trop fort. La barre est pas droite. La barre est pas droite. C'est normal. Ah ok. C'est normal. C'est bon, j'ai eu peur. J'ai eu peur que personne ne gère ça et en fait si c'est bon. Oh, putain, GG, hein. GG mon pardon. Incroyable. Ma dernière, je t'en prie. Oh là là. Ça fait zizir. Un oasis dans le désert. Je vous laisse gérer, hein. Je remplis des tonneaux de boulets qui rendent alcooliques. Mmh. C'est important. Tu sors de la zézère. Mais du coup, ça sert à rien qu'on est ici si on doit suivre le tracé. En fait, c'est sur l'eau qu'on doit aller. Mais oui, mais vu qu'on doit aller à l'avant-poste Plunder, je me suis mis ici comme ça, là ensuite ça on fait le plein et tout, et ensuite on va à la quête. Bon, Tryhardeurs de l'extrême qui font plein, y'a que nous qui faisons plein vraiment. Je vais regarder la quête. Moi je me suis fait chouer un feu d'artifice sous le nez. Okay. Moi d'ailleurs je crois que j'en ai un. Oui. Bon après, boulet de canon, hein, on a ce qu'il faut, hein. Bien sûr. On aura vu le fond de la mer avant de s'en servir. Il reste encore des appâts d'ailleurs, je tiens à préciser. Et bah je pense que j'ai trouvé. Putain, t'as vu comment elle se la pète? Elle a dit je pense quoi, vraiment comment elle se la pète. Déjà elle pense. Déjà elle pense quoi. Ça parce qu'elle est pas blonde et profite quoi. Plus d'appât encore. Putain, j'en viens de toucher l'île, ça vient de régénérer dans les. Oh. Mais c'est trop bien. Tiens, prends ta quête. Tiens, regardez sur la carte, hein, mais ça a l'air d'être pas mal bon pour parler. Comment? Tiens, regardez sur la map, hein, mais je suis quasiment sûr que là je suis bien. Ouais, c'est ça. Hein. T'as vu? Toi aussi, t'aimes bien faire ça? Et... Donc du coup ça serait quelque part en... Ouais, là où j'ai mis le dernier rond, ce serait par là. En, E20 Ouais. Ok, donc là faut qu'on parte directement à l'ouest. Ouais, faut qu'on parte au sud, sud-ouest. Ouais. Allez, let's go. C'est parti, mauvaise troupe. Donc faut qu'on passe entre Sharkbait et... Ouais, je fais demi-tour, je me mets juste un tout petit peu de vol histoire de sortir de là. Ok, nickel, bah je te dis quand t'es dans le bon angle. Ah, Knorfang, t'es sur l'île? Ouais, mais vas-y, hein, tu peux y aller. Hein. Ok. Prends un taxi, un Uber, comme d'hab. Un Uber de la mer. C'est bon, j'ai le cul qui passe. Ouais, j'ai le cul qui passe. Donc là, faut qu'on aille à quel côté déjà? Alors, du coup, faut que tu... Ouais, ce serait plus ouest, sud-ouest, hein, franchement. Donc là, normalement, comme ça, je devrais pas trop mal, c'est ça? Ouais, c'est ça. Faudra juste éviter Sharkbait et ce sera derrière. Ok. Parce que moi, du coup, faut que je fasse gaffe parce que j'ai ma livraison aussi qui va arriver. Là. Bah, tu me fais signe dès que ça arrive. Ouais, ouais, t'inquiète. Tu peux même relever un petit peu, je pense. Un petit peu côté ouest. Donc, tribord. Ouais, on est pas mal. Bah du coup, bah tiens, je te laisse parce qu'il devrait vraiment pas tarder à arriver apparemment.
parti vachement loin. Bon. Alors, j'ai même pas le nom de la fable, hein. Je sais même pas à quoi on joue. Je sais même pas si on joue. Je sais pas, moi je suis perdu. Bah si, enfin là c'est ce qu'il faut faire, enfin je suis le bouquin. Hein. Là c'est bien t'es discipliné les gars. Bah tu sais, on me dit juste ce que je fais puis je le fais hein. Exactement, hein, bah t'es discipliné hein. C'est... quoi, discipliné? Ça y est, c'est la digestion. Ça y est, c'est fini. C'est ici qu'on s'arrête ou pas? Non, c'est après. Ok, en gros, c'est après, ouais, c'est ça. Ouais. Le perroquet qui me dit qu'il y a du loot sur cette île. Sûrement passé. Et donc c'est ça qui me court. Ça va, t'as pas c'est ça qui me voit. C'est le rayon bleu qui le voit. Donc, je relève un petit peu plus ouest. Ok. Check sur la carte, mais normalement on va s'approcher ça. Tu veux aller voir la carte? Ouais. Non, ça doit être peut-être entre les 4 rochers là-bas, je pense. Le dernier rond que j'ai indiqué normalement. Ouais, c'est droit devant, tu resserres un peu nord et ça ira très bien. Un peu nord? Ouais, il faut resserrer nord. Enfin, il faut que tu prennes vraiment plein ouest. Sur les mouettes, là où il y a les mouettes. Je sais pas si tu vois les mouettes. Ok, sur les mouettes. Je te rentre de la voile parce qu'il va peut-être falloir s'arrêter. Ouais, j'avoue, je te fais la même aussi. Ah, les mouettes, vraiment, c'est... Ouais, c'est ça. Il y a un truc dans l'eau. Ok, voilà. Une bouteille. Je sais pas, hein, si c'est une vraie quête ou c'est une fausse quête. Peut-être. Mais... Putain, arrête de ramasser de la merde, tout ça. Moi. Il a coulé le loot? Il a coulé le loot ou quelqu'un a ramassé de loot? Bah, je suppose que le loot a coulé. Là, faut qu'on parte pour les abysses. Normalement, c'est. Je ne me suis pas trop loupé. C'est ça la carte ou c'était un fail? La bouteille que j'ai ramassée. Non, je pense pas que c'est ça. Ok, c'était juste un fail. Ouais. Pas encore parce que j'ai un loot. J'ai un loot. Un loot. Bon après c'est pas grave, on me dit hein, je l'abandonne sinon. Ouais j'ai une coupelle en argent. On ne bouge plus. Ouais, rien de bien formidable mais bon. Si ça peut faire perdre du temps à YouTube, on en profite. Hein. C'est important. Parce que t'es sur YouTube là? Oh ouais. Ouais, à partir du moment qu'on est parti, là le bouquin, tout ça, quand on est arrivé, ça tourne. Hein. Tu pourras dire à YouTube tout ce que tu manges de bon ou pas bon. C'est ça qui va. C'est ton envie. Ça te fait plaisir, bien sûr. Non, c'est bon, on va passer son tour. Du coup, je suis là, mais je suis pas là. Et voilà. Je suis là. Mais moi je suis vraiment là quoi.
Bon, un peu sur le bord, mais tiens bien. On est bon, c'est comme vous voulez. Non, mais... C'est quoi? Pourquoi Pardy tient une boîte? Pourquoi Pardy c'est une boîte? Parce qu'il a récupéré sur les trucs qui côté. Faut regarder la carte, mon petit knarf. Ah bah je t'en prie, de toute façon l'ancre est baissée. Ah oui. Viens donc. On va mettre la boîte ici. Plus par là. Très jolie boîte. Get donc. Viens donc regarder cette carte avant que je te la mette dans le pif. Tu veux jouer à quoi moi sur cette carte? Je ne suis pas la quête moi, c'est vous qui faites la quête. Normalement nous sommes arrivés à destination. D'accord. Et donc. Et du coup, là si on lit. Partez pour les abysses. Une ancienne menace refait surface. Trouvez le cap de la corde. Normalement c'est sous la flotte. Quelque part dans la zone sous la flotte. Je peux avoir ma boussole. Nord-ouest. On va taper plein nord-ouest. Ok, je suis plein nord-ouest. Ouais. Après, je suis sous l'eau. Hein. Je sais pas si on va voir grand chose. Légolas, je vois. Au jeu d'aigle. Eh bien, il va du blou 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 blou. Bah, je vois R. Tu vois R. Ah. Je suis à distance de sirène là, je voyais rien. Est-ce qu'il serait pas entre les rochers qu'il y a devant nous? Par contre, un quand t'as un écran avec de la poussière de clope dessus. T'as l'impression de voir que ça. Terrible. Après, on a le rayon laser qui a l'air d'être dans la même zone. On a un navire squelette sur notre droite. Plein nord, si vous préférez. Mais sinon, je vois rien de... Je vois rien de probant. Hein. Après, on peut se balader dans la... Dans la case. Je vous avoue, je pense qu'il est en face là-bas, là, entre les cailloux, là. Je le vois comme ça. Écoute, je lève une cran et puis on va naviguer un peu, on va voir, voir si quelque chose se présente. Non, on va se promener, on va voir. On pourra peut-être se mettre une demi-voile avant. Ouais, non, mais c'était au moins comme ça, j'étais sûr qu'on bougeait pas en fait. Petite voile out. En plus, on a le vent en sens contraire. Donc, ce serait plutôt nord-ouest qu'il faudrait prendre, c'est ça? Pour couper la case en deux, ouais. Je sais pas où vous êtes. Ouais. Ou est-ce qu'il faut que je prenne plein nord? C'est vous qui me dites, je sais pas exactement. Je peux vérifier. Ouais, non, là t'es bien. Je suis bien là? Okay. Ouais. Alors, on va rebasculer en nord-ouest. Je sais pas si quelqu'un, un sniper, peut se mettre à la vigie, essayer de voir quelque chose éventuellement. Là, on est en plein milieu de la case. Hein. Bah, autant se stopper là et check un peu. Fumerole doré, c'est un loup dans le... Ok. Pouette, pouette, pouette. Est-ce que ce serait pas... Est-ce que ce serait pas le faisceau bleu qu'on voit? Moi je veux bien, mais je sais pas ce que c'est. Hein, donc je sais pas si c'est un événement de Sea of Thieves, je sais pas si c'est de la fable.
Écoute, c'est assez proche et ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être proche, hein. Ça, moi j'étais à la nage, je pouvais voir toucher le sol quoi. Ça a l'air d'être positionné là, oui. Ah ouais, mince, je tourne. J'ai trop tourné, trop tourné. Je prends la sirène, j'arrive, mais j'étais parti pour checker vite fait le truc. Ouais, ouais, pas de soucis. Mais y a pas. Pas de soucis. Honnêtement, que ce petit faisceau bleu, vu le positionnement et vu l'endroit, c'est pas déconnant. Je suis en train de percevoir qu'on nous entend peut-être presque pas, tellement j'ai remis le volume à fond. On n'entend pas les voix en fait des PNJ dans ce jeu. Ce qui est terrible. Maintiens ce cap. De quoi? Vas-y, maintiens le cap. Tu as rien compris, mais ok. Maintiens le cap. Ah, là c'est bon, je t'ai compris. Excellent. Mais je suis un peu sourd, je suis un peu vieux. Ah bah, je sais, ben. C'est un truc dans la flotte, ouais. Carrément moyen que ce soit ça. Messieurs, nous arrivons. Maintiens pour l'instant. Je te dis quand tu la baisses. Il n'y aura peut-être pas besoin, je suis en train de rentrer la voile avant, j'ai déjà rentré la voile arrière. Ouais, mais. Il y a encore un peu de marge. À quel point il y a de la marge? Il y a juste à voir. Oui, il y a encore pas mal de marge. Bah ouais. Je te l'ai dit, il y a de la marge. Ouais, mais il y a marge et marge. Hein. Je voulais gérer la voile avant, je vais resserrer la barre dessus. Vu qu'on était quasiment à l'arrêt. Qu'on a beaucoup tourné. Tac, tac. C'est bon, j'ai rentré toute la voile. Ah, ouais. Ah c'est ça. Bon. Y'a besoin que je lâche l'ancre ou pas? C'est bon, elle est faite. C'est bon, c'est bon, tu peux. Je remonte? Non, non, lâche. On est dessus. C'est le moment où je dois vaincre ma thalassophobie. Comment ça, t'as peur de l'eau? J'ai peur des fonds marins. Ah d'accord. Que peur de l'eau, c'est normal. Mais j'espérais que t'avais pas peur de la bière au moins. Ok, suivez les débris. Bah
Suivre les débris, moi, ça veut dire plonger, hein. Exactement. Ça, si tous les fours marins ressemblaient à ça, ça irait bien. C'est terrifié quand même, hein. Ouais, vous êtes là où il y a une grosse caisse. Vous avez vu la grosse caisse? C'est bon, tout le monde arrive à suivre. Ici, il y a de l'oxygène, si jamais. C'est le moment où on ouvre la bouche et on chope du poisson comme ça. Vous avez noté la petite caverne à droite? Ouais. Bon, le père a l'air fermé. Je vais juste vérifier si ça c'est ouvrable ou pas. Ouais, on pourra ouvrir la cabine du capitaine. En tout cas, c'est splendide. J'espère que ta thalassophobie va mieux. Ah non, 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 toujours pas, mais. Pourtant là c'est splendide quand même, c'est magnifique. Ah je dis pas hein, c'est très beau, c'est... Mais ma thalassophobie quoi. Vous avez réussi à me rejoindre? À te rejoindre? Moi je suis dans la caverne. Ah mais vous n'avez pas pensé à prendre la clé du Black Pearl là? La clé du Black Pearl? Hey. Ah, mais du coup tu l'as? Oui. Du coup nous on en a pas besoin. Bah du coup je vais ouvrir la clé, enfin la porte du capitaine. Oh bon, du coup on arrive. Bon, elle était cachée où cette clé pour YouTube quand même qu'on fasse semblant de faire quelque chose d'intéressant? Dans la cale? Dans la cale, ouais. Est-ce qu'elle était bouchée par le canon là? T'as pu accéder? En fait, quand tu descendais les marches, pour aller dans la cale, tu pouvais déplacer les débris. Ah, te permettant ainsi d'accéder. Excellent. Eh oui. Excellent, excellent. Hop. Coucou. Et voici les escrocs. D'ailleurs, il n'y a pas de livre dans le coin, j'espère. Sinon, j'ai la boussole de Jack. La boussole de ce bon vieux Jack. Ouais. Fearless crew of this once proud vessel. They fought so bravely, but now they are captive. Their lives held forfeit. And now a flame of hope descends into this cold darkness, born here from the world above the waves. I beg you, do not abandon them to their fate. Which you now possess will guide you onward. I shall use what little influence I have.
Rebonsoir. This is the final step of your journey. You shall be able to proceed no farther into the spire. Donc là, je suppose que Vu le nombre de fruits sur place, ça sent la grosse bagarre. Déjà, oui, et ça va être moi pour banger, parce que cette femme, j'avais accompagné quelqu'un pour la femme, j'ai jamais compris quoi. Non, toi t'es un peu trop gros, toi. Un peu gros sur toi. Oh la vache! Oh la vache! La quantité de produits? Ah ouais, carrément! Oh, c'est beau ça. Heureusement que je pense à l'équipe là. C'est des démons lui. De toi. Bah mince. Le gros dessin sur le mur. Ouais. Pour orienter les sirènes de cette manière et après souffler dans la coupe. Alors attends. Donc c'est aussi. J'ai pas compris ce que tu as dit, excuse-moi, la madame parlait. Donc là, ici, là. Oui. Vous avez un mur avec plein de petits dessins et oui. Ici des sirènes. Il faut orienter les bras comme. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Ah, c'est plus bon. C'était bon avant. Bah ça avait l'air. Ok. Hop. La prochaine, elle a un petit bout de corail dans la main. Ah parce que celle-là c'est celle qui a une chaîne. Donc ouais, pour c'est celle-là. Hein. Ah ok, bah je crois que j'ai fait une. Parce que pour moi elle est de profil. Une question d'interprétation. Ah ouais, non. Il y en a une qui doit pas marcher parce qu'elle a pas de cœur de sirène. Non, mais bougez pas. Regardez, j'ai le cœur de sirène en main depuis tout à l'heure. C'était le dernier mob qui l'avait. Toutes les autres, elles sont bonnes. Bah, elles avaient l'air. Je viens de le mettre le cœur, hein, donc j'en sais rien. Je non, celle-là, elle est pas bonne. Bah, si, celle-ci, elle est bonne. C'est celle qui a la chaîne. Elle a le bras tout en l'air. Ah ouais? Oui. Ok, donc bras tout en l'air. Ça nous aurait ouvert un accès. Mais c'est l'accès d'où on vient. C'est pas l'accès qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est derrière le bout de bois. Ah, là, il y a un truc. Ah, non, c'est pour retourner au bateau. J'étais en train de cliquer dessus. Elle a la croix dans la main. Elle a ça. On va le baisser un peu. La flamme, elle a le bâton en mid. Vous en tapez dessus, si ? On s'en est vraiment des sauvages. Putain, on joue des Américains quand même. Hein. Le bruit, il a changé en tout cas. Very good. Et
Et là, tu t'attendais à ce que la porte s'ouvre, pas du tout. Bah non, on va monter, on va aller sur le coquillage, tout ça, tout ça. Ouais. Non, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a derrière cette porte. Je sais bien qu'on n'allait pas y accéder aussi facilement. Bon, je suis habitué à ce qu'on aime nous noyer dans ce jeu. ouais, ok. What? J'ai eu un abonnement? Donc là, il va falloir replonger, retabasser des trucs, c'est ça? Ok, elles ont tout le bras en l'air. Tout le bras au maximum. Bah, on va pouvoir tirer dessus depuis ici. Ah bah vas-y. Ok, elle a le bras en l'air. Ça, le bras en l'air, ça, ouais. Ça, c'est pour retourner à la maison. Voilà, c'est bon. Normalement, c'est bon. Est-ce que le niveau de l'eau monte encore un peu? Non? Hashtag nous sommes déception. Un geyser. Évidemment, quelle question. Wouh! Ok. Ici, il y a un truc de munitions. Et si là, il va falloir faire tousser le monsieur. 1, 2, 3. Oh. Ananas. Oh, ananas. Il y a trop d'ananas, je peux pas tout prendre. Oh, bâtard. Je me suis coupé des cailles là. Ah, c'est un ananas à prendre que je dois prendre maintenant. Je viens le con qui est arrivé, il l'a trop jailli. Oh yo, il y a turbo lui. Hein. Alors. C'est le cas de la chaîne à moitié. Bah je sais pas, je cherche... Ah si ça y est, là. Sur le mur là en face. La chaîne c'est en milieu. Bah voilà. C'est bon? Vous avez tout cassé? Ya. On s'envole, on s'envole, on s'envole. En tout cas, c'est encore superbe, hein. Carrément, c'est magnifique. Je vois encore des petits dessins de bureau, mais je pense que ceux-là n'ont pas d'utilité. Tac, tac, tac. Petite échine de Kraken, comme on dit dans le milieu. Hop, 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 hop. Des munitions, même si je suis déjà full. Hein? Là, faut aller. On rentre dans la boîte. Oh, les Black Pearl! Retourne au navire, j'en ai marre. Magnifique. C'était quoi ça? Le petit sport du Kraken. Ah, tu l'as trouvé où? T'as piqué ça où? Là. Ah, excellent. Ah, il y en a plein. Youpi! J'avais bien dit que c'est le petit frère du Kraken. Regarde. Regarde mon pardi. Davy Jones himself. Another ship from the world above.
Il y a un mur, Coco. Non, je sais. Waouh, il nous regarde un peu trop, le petit frère du Kraken, là. Vraiment, il attend que nous. Hein. Bon bah du coup c'est Solari qui a gagné. Ouais. De peu mais c'est Solari. I am the queen of the sirens and this is the true majesty of my domain. Your courage has carried you farther than I anticipated. But I will not permit you to desecrate my palace with your presence. Leave the spire immediately and surrender yourself to my royal guard. You shall join the others of your species and sing for me for all eternity. J'espère que vous êtes prêts à combattre des sirènes. Ouais. Piu piu laser. Piu piu laser. Wow, on peut faire une méga boule. Ouais. Wow. Turbo bulle. Dans ma bulle. Oh, j'en ai pété une. Non mais je m'en fous. Ah mais il est obligé de rester en position de combat. Ah oui. Pas forcément. Hein ? Elle est où l'autre sirène qui me pourrit là ? Ah, dans le dos. Us ! Si vous avez besoin, vers moi, il y a de l'oxygène et il y a d'autres bâtons. Si jamais. Wow, je viens d'en faire 3 là ! De l'oxygène. C'est vrai qu'il m'en faut. Je pense que ça devrait pas tarder à être nécessaire. Là où je suis. Ah ouais, merde, de là où t'es, il y a de l'oxygène. Ouais. Là où je suis, il y a de l'oxygène, il y a des bâtons, il y a des trucs, il y a de tout, vraiment. Donc si besoin. Au pire, j'ai mieux que des petits bâtons pétés, que j'ai de la poudre. Ouais, lâche ton bâton si t'as besoin pour aller plus vite. Non, c'est bon. Non, je suis pas dans l'urgence. Attention, il y a un truc derrière toi, Knarfin. Ça va, il me reste des points de vie, il m'en reste 2. À peu près. C'est bon, je suis en train de mourir. Non mon pote, tu mourras jamais. Tant que. Ah, il faut que je reprenne un frigo. Oh non. Il va falloir m'aider à ton tour. Merci. Il va falloir m'aider à ton tour. Ah, c'est mourir en boucle pour les autres là. En vrai, s'il y en a qui viennent au cac et les yeux au sabre, hein. C'est bon. Ouais, bah... de l'oxygène, de l'oxygène, de l'oxygène. Tuer, c'est ça? Environ, ouais. Je reprends un staff démonique. Ou démoniaque. Ou un truc comme ça. Vous envoyez d'autres des poissons pourris là? Ouais. Ah oui, ça y est, je commence à en avoir un qui me fonce dessus. Heureusement, j'en ai tué un avant qu'il m'arrache de la vie. Ah, ça y est, je suis tombé. Adieu, mes amis. T'es vivante, c'est bon? Ouais. Je les ai ratés. Un problème?
bouge trop là. Des gommes. On a 12 sur 20 là. Je sais pas combien faut en tabasser, mais je dirais entre beaucoup et pas mal. Bon, celui-là, s'il y en a un qui pop et qui la prend, tant pis pour lui. Derrière. Mais non, c'était le mien. Oh, Sarah, s'ils font mal. Je meurs de décès. Ah la vache, oui. Ouais. Je dois faire mon aveu passeur, hein, si vous pouvez pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah bah, je suis mort. Parce que j'ai voulu me réanimer, mais enfin, j'ai voulu me réanimer. Il y a marqué échec de la FAP pour moi. Oh, d'accord, je suis désolé. Tu es toute seule, Nen. Il faut que tu sauves. Faut que tu sauves tout. Ouais, je. Yeah. Elle est trop belle avec un clic gauche. Comme ça. Ah, que t'as enfin. De quoi? Elle est trop belle. Et c'est celle qui est à la 60 qui reste toute seule, tu sais. Mais t'es KT, tu gères super bien. Ah, bah en fait, non, c'est bon, je suis encore là. Ouais, vu que j'ai tenu le coup. Mouvement erratique, ça va, oui. Prends-toi la bullette. Ok, chef des sirènes, c'est prêt. Répéter un. Oh. Bon. Heureusement qu'on était là. Qu'est-ce que t'aurais fait sans moi, hein? Putain. Moi, je suis arrivé au bon moment pour tuer les trois derniers, hein. Parce que sinon. Hein. Oh, les poulets. Yonk. Reste poli, hein. Yonk. Oh, yo. Bon. Du coup, j'ai le cœur de la sirène, là, j'en fais quoi? Je vais vous dire, heureusement, du glucose, hein, sa mère. Du glucose, là. Tu vas te calmer tout de suite, hein. J'ai sué du... Un caillou. Je sais pas. Déjà, vous auriez pu récupérer de la bouffe si j'avais besoin en été. Ensuite, je vous propose de réfléchir en prenant de l'oxygène. Peut-être le Pearl, hein. Peut-être faut-il aller au Pearl. Le palais, je pense pas qu'il y ait grand-chose à faire. Il y avait plus rien à activer dans la pièce du palais. Je crois pas. Donc on retourne au Pearl, là, c'est ça? Ouais. Ou ailleurs, hein. Mais si tu veux, je vais checker le Pearl, voir s'il y a un truc, mais... Je vois pas à quoi nous servirait le joyau, en fait, surtout c'est ça. Je retourne voir au truc là où on était de base, s'il y a moyen de faire un truc. Ouais, tu retournes au palais. Ouais. Là, j'ai trouvé une petite caverne sur la gauche, là, je suis dedans, il y a de l'air. Je peux pas bouger. J'ai trouvé un truc là. Quoi? Alors attendez, pour moi, le Pearl, tout est fermé pour moi dans le Pearl. Non, en gros, c'est quand vous descendez, faut aller sur la gauche. De quoi tu parles? Quoi parles-tu? Reprendre la fable. Cœur de pirate sera perdu, retrouvé sur mon navire. Ouais, ça ressemble au truc où il n'y a rien. Ouais, c'est ça. Bon, dans le purge, il n'y a rien à faire. Et le bureau, pour moi, il est fermé. Moi, il apparaît fermé. J'étais voir, on peut pas retourner dans le truc d'ici quand même. Ok, moi il me remet là, parce qu'on est sur la caisse, je suis allé trop loin. Donc j'ai plus le cœur de sirène, je sais où il est, tac. Bon. Mais là on est sur la quête des fablustiers, je crois. Flubustiers. Du flibustier, ouais. Des flibouches, ce genre de choses. Au moins comme ça, Nel, si ça peut te donner un petit coup de main sur à retrouver les quêtes.
Donc t'allais au palais, il y avait air au palais. Notre trou de base. Ah, on pourrait peut-être retourner par notre trouillot de base. Des abysses des profondeurs de l'oubli. Je vais checker. Parce que vous savez, il y a la fameuse grande porte, tout ça là. Cette porte là, moi qui me possède. Allez, plus de 3 minutes là. Ah, il y a un cœur de sirène à cet endroit-là. Oui, bah justement, moi j'ai déposé le cœur de sirène et regarde ce qu'il y a de marqué sur la statue. Reprendre la fable du fibustier. Et ça t'a renvoyé où? Et là, si on suit les chaînes qui sont liées au Black Pearl. Bah ça ramène là où on est. D'accord, alors je reviens avec le cœur du coup. Ok, je sais où c'est. Il te faut le cœur ou pas? Mmh. Ok. Il arrive. Il arrive. Votre livraison Amazon arrive. Arrivera sous 24 heures. Il arrive Clinton. Il arrive Clinton. Au secours. Sauf que tu me dis ouais, c'est là où je suis, mais là où t'es, je sais pas où c'est. Tu vois là où il y avait tous les bâtons en plein centre. Ouais. Tu vois les chaînes qui sont. Ah, les chaînes auquel qui le retiennent. Ouais. C'est exact. Oh là là, quel génie. Mmh. Merci les triches surtout. Non, ça c'est de souvenir. C'est de souvenir que je me souviens qu'il y avait des grosses chaînes. Bah, elles sont là. En haut là. Oui, YouTube, si tu regardes encore cet épisode, c'est un peu comme l'épisode du crâne. Et on attend que j'arrive avec le crâne. C'est pareil. C'est le même épisode en fait. En même habitude. Gaming. Elles doivent avoir tout lieu. Il faut leur lever le bras. Et il y en a une à qui doit manquer un caillou. Qui doit être celle-ci. Et hop, ma bonne dame. Voilà votre caillou. Elles ont tous le bras levé au maximum? Je ne sais pas. Je te laisse vérifier, je reprends un peu d'air. Il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est que surtout il y a que 3 statues et pas 4. Elle est où la quatrième? Normalement il y en a 4. On est d'accord. Normalement. Habituellement je sais compter jusqu'à 4. Habituellement je sais. On a celle avec la flamme. Celle ouais. Avec Joyau. Elle est où celle avec la chaîne? Justement. Justement, moi je prends un peu de hauteur pour voir si elle est au-dessus, mais je la vois pas. Ah, c'est pas. Non, ça c'est la sirène de retour bateau, c'est ça? Ouais, retour du navire. Celle qui ne sert à rien, ça. Est-ce que nous n'abandonnerons jamais? C'est bien vrai. Ok, il y en a une là, il y en a une là. Ah non, elles doivent mais avoir les bras. Elles doivent avoir les bras baissés en fait. Au milieu. Au milieu, pas en haut. Au bah milieu ouais. Là je crois. Ouais, sûr non, de bah ce que t'avances là. Non, c'est en bas. Hein. Alors c'est en bas. Bah ouais. Il reste plus que celle de droite. Vas-y. Ah, c'est bon, j'ai fait. Ah, mais non, j'avais. Ah, bah dommage. Vas-y, mets-lui un coup, j'en mets un. C'est bon? C'est bon. Bon, mettez un coup à la dernière là. Voilà. Là, ça chante un peu mieux. Enfin, je veux dire, c'est des sirènes, faut leur mettre des coups. Ouais, un peu. C'est un peu quand même cliché sur 20. Hop, on va reprendre un peu d'oxygène quand même, histoire de. Oh, c'est magnifique. Oh là là, même mon petit cœur se régale. Non. Là, le petit cœur, elle est en full panique. Mais non. De toute façon, il se passera rien. C'est que de l'eau, des fonds sous-marins extrêmement oppressifs. Je vois pas ce qui pourrait te déranger. Ah bon? Moi, j'ai ma petite idée. Le fond marin extrêmement oppressif. Alors, imagine dans la vraie vie avec la pression, tout ça. Vraiment ça. Commencer à faire de l'asthme et tout. Manque d'oxygène.
Ah, j'ai trouvé une... J'ai trouvé un bout de Kraken ici, là. Il y a le petit frère du Kraken qui essaye de me faire un boule. Unable to withstand the cruelty of the sea. Our song gave them purpose, and the ocean's bounty gave them new strength. They are my loyal soldiers, and I shall so enjoy watching them tear you apart. Les sirènes, alors. Oh là là, le bras qui tombe. Je vais pas actionner ça. Il y a des petits bâtons, si tu veux. Pour économiser des munitions. Est-ce qu'on a des chaînes? Ouais. Au top les chaînes, hein. Boum. Ouais. En mid. En bas pour la flamme. En mid pour celle qui a la gemme. Elle est où celle avec la gemme là? Allez, je vais m'énerver. Je suis coincé, moi je vous vois passer, mais je suis coincé. Coincé où? Coincé où? Mais tape, tape peut-être dans le machin oui, qui vrai. T'empêche de penser là. Tape dans un, voilà. Par contre, je vois pas où sont les deux autres, les autres sirènes. Hein. Là, il y en a une là. Bah là, il y en a une là. Bah il y en a que deux. Il en faut. Je sais pas ah si non, tu vois les dessins. Il y a les trois là. Un Zvedra. Oui, mais il en faut quatre. Elle est où la quatrième? Non, il y en a que trois là, Knarfang. Regarde sur le mur. Il y en a trois de ouais, dessinés. Il nous faut le truc qui souffle. Oui, mais celle qui souffle, celle avec la corne. Vous voyez celle avec le corps? Le corps de Sémar, parce que moi je suis en train de me noyer là. Il y a de l'oxygène quelque part? Ouais, en haut. En haut. C'est bon, je l'ai. Ah oui, d'accord. Ah, excellent. Je perds moins de vie. Mais bon, tu l'as trouvé? Ouais, c'est bon. Fallait tirer à la surface, c'est ça? Elle était à la surface? Ouais, elle était à la surface. Ah, c'est moins oppressant comme ça, d'ailleurs. Je me sens mieux. Là, il va y avoir un truc avec ça, je suppose. Bah, il va y avoir des sbires avec. Ouais. Lui s'est fait abattre. Lui il a pris tout le monde. Oh là. Il est un peu gros le Kabuto là. Oh, c'est de la merde en fait. Y'a rien à looter ici, pas un livre, rien. Herbe mon pépère. Mais du coup, vous montez pas?
Bah si, il y en a qui monte, non? Ah non, il m'a poursuivi. D'accord. Bah, première vue, c'est par là qu'il faut aller. Il y a toujours un Kraken qui essaie de nous faire le boule. Ah, bon, en parlant de livres. J'ai trouvé un bouquin. Ah non, je suis tombé. Ça, c'est bien dommage. J'ai trouvé un bouquin à cet endroit-là, mais... Ah bah, je suis tombé aussi. Bien dommage. Il y a quelque chose, 20 milieux sous ces mers, là. Bon, il y a rien. Plus vite, pardi, s'il te plaît. Hein. Cours, poulet, cours! Cours! Vite! C'est trop lent! Ah bah, trop tard, tu prendras le prochain. Ah bon? T'es carrément monté dessus? Bah ouais. Ah bah, fallait rester dessus. Je pense que c'était dessus que c'était le plus intéressant, monsieur. Où est-ce que t'as trouvé un livre, frérot? Dans là. Le... Je... dans la cabine, là. Hop. Bah, il m'apprend rien de spécial, quoi. Ça me met pas une quête... Non, rien. Juste un bouquin comme ça. Qu'on donc ça sert ici. À rien. Quelle est donc l'utilité? Ah, bah l'utilité, évidemment. Nel, tu pourrais quand même nous expliquer la quête. Bon, Salle Exception, elle est où, là? Voilà, elle c'est tout en bas. Et de l'autre pauvre cloche en mid. I'm back. Oh, bonsoir. Et bonsoir. On en a une là-bas. Attends. Bon, je sais pas sur laquelle je tire. La chaîne tout en bas. Elle là. Toi là-bas c'est laquelle? C'est la flamme? Ah non! C'est pas la flamme. Mince. Et la flamme c'est tout en haut. Faut aller tirer sur l'autre là-haut là. Ah là. Mais pute. Il est encore en train de galérer je crois. Nel, c'est toi qui savais où est-ce qu'elle était la statue en haut avec sa trompette là, moi je sais pas où elle est. Alors, on la voit d'ici ou pas? Je guette, je guette. Mais YouTube veut voir où elle est. Elle est partie. Je guette, je guette. Ah, pardi! Non, ça m'énerve. Je sens contrarié, mec! Légèrement. Ah non, tu recommences pas. Je recommence pas quoi? À tomber. Ah non, 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 c'est bon, tout va bien, je maîtrise mon sujet, sache-le. Non, je parle de moi, là. Ah! Il se parle à lui-même. Tu peux ensuite... Faut aller où? Ne dérangez pas. Tu me l'as trouvé, Alien Shooter? Je cherche, je cherche. Donc on peut pas l'avoir d'ici, j'ai l'impression. Ouais, j'ai bien l'impression aussi. J'ai quelque chose à suggérer. Ouais. Et pour ça, faut que je me serve d'un ascenseur, voyez-vous? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est genre, je le descends. Voilà, comme ça. Et en fait, faudrait passer sur cette épave, sur le dessus. Tu vois, je dis. Par le dessus de l'épave, là, tu vois, genre, hop, à ce moment-là. Ah, bah, je peux pas, là, je l'ai raté. Mais normalement, ça doit être un truc qui est faisable tout seul. Pas de... Allez, ton, c'est ah, c'est trop compliqué là, ils me font glisser sur le coquillage. Je vais me servir de Pardi. Pardi, veux-tu bien me servir de cobaye s'il te plaît? Attends, vas-y, descends-le, descends-le. Si tu juste au-dessus de toi, il y a une grosse plateforme en bois qui va être accessible depuis un endroit, I guess.
Et après, t'as accès à un autre chemin. Parce que le truc, c'est droit là-bas. C'est trop court. Par au saut ? Ah oui, tu peux pas. Merde. Maintenant, en gros, faut que tu me laisses le temps de remonter, toi que tu le prennes et que tu redescendes. Bon, bah. Nelnel a suggéré visiblement qu'on pouvait choper les plateformes autrement. On va essayer de les attraper autrement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire à partir de là? Je crois pas, hein. Je crois que c'est vraiment... Ouais, au vu de ce que je vois... Hein. Ça m'a pas l'air d'être la plus grande évidence, hein. Ça jamais je l'attrape. On a peut-être loupé une poule. Je vois qu'il y a un truc avec un bout d'échelle, mais je pense que c'est plus pour la déco qu'autre chose. Ah, est-ce que depuis le sommet du pont, je peux l'avoir ta statue? Oui. J'ai. Merci. Est-ce que c'était le bon truc au moins? Est-ce que j'avais fait la mode combo ou pas? Je sais pas, moi j'ai pas touché aux sirènes. Ah, moi je vais vous laisser vérifier que j'ai pas fait des conneries. Celle avec le... Mais je pense que j'ai fait une connerie, puisque si j'avais pas fait une connerie, une chaîne comme on dit dans le milieu, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, c'est rigolo, faut que je sois au-dessus pour est-ce le voir. Est-ce que tu peux réessayer? Ouais, ouais, deux secondes. Je... Hop, on tape un petit SK. Tac, tac. Ouais, le son il a changé. That's good. Normalement ça va se faire inonder. Hein. C'est bon, c'est bon. Ça s'inonde ou ça vous... Ouais, 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 ça monte, l'eau monte. Ah, l'eau monte, ok. Je vais t'en noyer, toi. C'est énorme, elle m'a dit que vous êtes obligé d'attendre elle. Le truc, il est là-haut, là. Every nail, every plank will be stripped. Right, you must not attempt to board that vessel. It still contains much that is precious to me. And I shall sur le bateau. Not permit you to defile it with your witless thievery. Remonter, retourner sur le bateau? Non, c'est bizarre. Non, monter sur le bateau là où je suis. Bah oui, mais j'ai pas pu monter sur le bateau où t'es. J'ai fait retourner, j'ai fait reprendre la fable et ça m'a envoyé là où vous étiez. Je sais pas comment vous êtes passé. Ok, donc moi je m'occupe de ça. Donc je vais remonter le bateau et vous devez tirer, je dois maintenir le truc. Donc moi, il y a des canons, hein, si j'arrive. Il y a des canons et des bloquets. Je pense qu'on va être obligé de tirer dessus au canon parce que visiblement le mec veut pas mourir de balle dans la tête. Ah, si, c'est, il y en a un qui est mort de balle dans le corps. Mais ils sont où les canons? Ah, ils sont là. Alors, ils sont sur le bateau. Il y a des cartouches. Ah, merci. Ouais, à côté de moi. Okay, bon, merci, mon piqueur. Hop. Excellent. Il y a d'autres volontaires? Mmh. Excellent. Attends, tu vas pas dire que tu lui as collé une immunité aux balles là. Ça serait pas ouais, déconnant. Voilà. Merci Pardy d'avoir ramassé la cartouche dans la tronche à ma place. C'est fort aimable. Ouais, bah, c'est pas très loin ce boulet là.
C'est carrément plus rapide qu'au boulet de canon. Je suis pas sûr, Nel, que tu sois obligé de le tenir, si. Si, si, sinon on redescend. Tu veux peut-être que je prenne le relais? Non, faut pas. Je l'avais fait une fois avec un pote et c'était moi qui m'occupais de tirer et lui s'est occupé de tenir le truc pendant toute la durée. Parce que là, moi, YouTube, le problème c'est que j'entends regarder quelque chose d'intéressant. Donc... Je suis aussi en train de regarder quelque chose d'intéressant. Ah. En fait, t'es en plein focus sur le combat. Oh, encore plus de canons. Hop. Coupe un peu de fruits. Je recharge les 4 canons. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Ah ouais, tu veux faire du Kawabunga, toi? Ah bah, on est là pour ça ou pas? Tu m'as dit ça va plus vite au canon. On est pas mal, hein? Non, on est bien. Non, je peux encore monter. Non, non, on est bien. Allez, si, remonte encore un peu, un chouïa. Hop là, ouais, c'est bon. Ok. D'accord. Fio, cabo. J'ai presque envie de troll la game. Non. J'ai envie de me mettre dans un canon. Oh, si tu veux t'amuser, c'est faisable à une personne au canon. Je crois qu'on a liquidé tout le monde. Je pense que vous pouvez continuer, hein, si vous voulez. Ok. Alors, je te recharge ton canon, hein, qui est déchargé. Ça me fait plaisir. Ouais, c'est merde, frérot. Attends, je crois que ça va se passer de l'autre côté, non? Non. Ah non. Il n'y a pas de canon de l'autre côté. Ah. Non, là, je pense qu'il va y avoir des tentacules. Il y a des fruits. Une ambiance. Ah non. Ah oui, ambiance tentaculaire, tout ça. Ouais. Oh, ça y est, c'est le moment où ça devient japonais. C'est comme les bons vieux. Ah non, on peut pas le tabasser. Ouais, super. Ah non, c'est tiré au canon. Derrière toi, Knarf. Ah ouais. C'est pas très agréable ça. Je sais pas si tabasser sa tête levée là ça compte. Non, ça a pas l'air compté. Voilà, faut manger, faut manger, faut manger, faut manger. Où est-ce qu'il y a des balles dans le coin là? Au plein centre là, au pied du mât. Ah, il est bien vu, merci. Charger les canons. Il nous faut une clé.
Where is the key? La bouche ou dans les yeux? Moi je vois des bons gros yeux jaunes. Ouais, dans la bouche pour être d'accord avec Bob Lennon. T'as un problème à gueuler comme ça là, mais hey. Tu vas te calmer hein. Je suis mort. Ah putain non. Quoi, toi aussi t'es morte? Non, mais j'ai pas pu sauver que ça. Je vais faire mon ammo passeur, laisse tomber. Ah, est-ce que ça compte mort de Kraken? Ouais, je vois cool le passeur quand même. Ah, vraiment le passeur qui m'humilie en disant non t'es trop nul mec, casse-toi. Ouais bah attends deux secondes, laisse-moi reprendre ma vie, j'arrive, je viens de te casser les dents, calme-toi frérot. Ouais t'as raison, ouvre la gueule comme ça. Mais... Alors c'est parce qu'il commence à fatiguer. C'est parce qu'il fatigue un peu. Ah vite, feu. On pensait à tirer sur les contacts. La tentacule est transparente, hein. Je veux bien, mais y a que sa tronche qui est pas transparente. Ah si, la bouche de la tentacule. Non, mais pas. Là, tout est à côté de moi. Bah ouais, mais je peux. Alors sinon peut-être au fusil du sniper. Mais pour moi, elle a pas de hitbox, hein. Elle a pas de hitbox, hein. Là, je tire dessus. Bah yes. Bah, écoute, pour moi, là, elle en a pas. On voit tous les tirs finissent dans le caillou derrière. Oh ça y est, je suis tombé. Je suis décédé. Encore? Bah écoute. À chaque fois que j'ai tiré, l'autre il m'a tapé dessus. Hein. Wow. Merci. Feu! You! Un peu comme moi quoi! Silverblade. C'est pas le Blackbird du coup. Alors, ce que je vais faire, c'est que tunnellement, je vais te poser pour me régénérer. Hop. 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 Et là, je pense à mon équipage et je reprends 5 ananas. C'est pour ça que je me soigne pas depuis tout à l'heure. C'est pour les ramener au navire. C'est tout le butin, les gars. Moi je sens qu'il faut faire ça. On n'a pas de clé, hein, non. Il nous faudrait une clé hein, pour ouvrir le Silver Blade. La lame d'argent. La lame de pognon. C'est haut. Est-ce que je dois vous dire aussi que j'ai le vertige? Ah non mais c'est pas possible. Est-ce que t'as au moins une qualité dans la vie? Je sais pas vraiment manger. À part être mon petit cœur, sinon. Vertige aussi. Oh non. Peur des profondeurs, peur des espaces, machin, peur de tout. Peur des profondeurs. Peur des araignées ou pas? Moins depuis quelques années. Ouais. Par contre, j'adore les serpents. Est-ce que t'as. Ah bon, bah alors. Ouais, ok, d'accord. La phobie des rouquins? Non. Okay. Et comment Est-ce que tu as la phobie des picards? Parce que là on comprendrait. Des fatales picards? De quoi? Ouais.
Les Fatal Picard. Les Fatal Picard, ça compte. Fatal Picard, trop bien. Même si, comme tous les bons groupes en France, tout le monde a dit ouais, c'est de la merde dès que le flanc est un peu retombé, quoi. Super. Ouais. Ce qui me dégoûte un peu. J'ai trouvé une statue de vieux monsieur. Je suis avec toi. Face to face at last. Strange creatures you land. Je suppose qu'on va devoir se rebattre contre des sorcières. How comical. And yet when I stare into your eyes, I sense you truly do not know. Des trucs de sorcières. De sirènes. Wow. Ah, des bâtons. Ouais, il y a les bâtons. Bah, c'est rigolo, le bâton. Et je suis plus à l'aise au sniper. J'ai les cartouches. Regardez les cartouches. Parce que j'ai des cartouches, j'allais dire inifugé, mais c'est pas inifugé que je cherche. Aquafuge. Hydrofuge. Voilà, putain, je voulais pas le sortir. Hein. Yo. Le cerveau m'a dit essaye des mots. Tu trouveras le bon au bout d'un moment. En haut, il y a toujours de l'oxygène si jamais pas. Et mourez. C'est moi ou elle vient de nous dire mourir, bande de mobs. Wouah, la reine des sirènes. Ah, ça a l'air de partir sur des balles de sniper en pleine tête, ça. Non, elle a bougé. Ah oui. Oh, elle vient s'en prendre une énorme. En même temps, encore, tu lui as mis une en pleine face. Pleine poire, celle-là. Boum. Balle de sniper. Boum, balle de sniper. Dès que je lui mets une balle de sniper, elle aime pas. Je vois plus. Vous l'avez plus de vert? Vous l'avez plus de bleu. Et personne te défendra, y'a plus personne, on a nettoyé tout le donge là. Même le balayeur, on l'a liquidé. Même lui, alors qu'il avait rien demandé. Il a rien demandé, le gars, il se baladait avec son balai. Pré-shot, pas pré-shot. Pré-shot, pas pré-shot. Il m'emmerde, lui, avec son stuff. Merde, mon arme s'est détruite. Viens là toi, Sarah. Ouais, j'ai vaincu les sirènes. Il faut mettre une même balle dans ce machin pour tout. Hein. Ah, je me disais bien, il y a un truc qui va pas là. Your fate is sealed. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. T'as un problème, Moru? Vas-y, viens. Your death shall be a warning to those above. Prends des dégâts de quoi? Prends des dégâts de quoi? Dans l'eau, je crois, c'est quand elle chante. C'est elle quand elle chante. Ah. Elle peut pas la fermer un peu? Non. Bah, taisez-vous, madame. Oh mon dieu, faudrait que je me rende des points de vie, mais ça m'obligerait à manger un ananas, je vais quand même pas faire ça. Your fate is sealed. Mais arrête de bouger. This is too easy. Mmh, ouais, bien pour sûr. L'autre, elle joue à Fortnite, elle a une petite bague. Ça y est, nous envoie ses sbires. Est-ce que je suis mort d'un produit de la mer? Ouais! Bleu! Ça compte comme si j'étais tué par un requin. Trop bien.
J'ai été tué par un méchant de James Bond, récurrent. Alors celle-là, tu l'as pas loupée. Hein. Wouah, ce que tu viens de lui mettre. Je suis arrivé pile au moment où tu l'as tué. Pauvre cloche, t'as sacrifié tout un royaume et toute une espèce parce que t'es trop con. Reine sirène vaincue. Nice le. Et on tire la chasse d'eau. Coquillage. Ah, juste au-dessus. Direction le Pearl. Et tu veux pas m'aider? Viens là. De quoi? Reviens. Mais revenez, bande de Bobolito. VPTDR, t'es où? Mais. Ok, on rentre, on rentre. Je. Qu'est-ce que tu fais? Tire sur les sirènes. Ah ouais. Pardon, il faut tirer sur les sirènes. Mais lesquelles? Ah, je sais pas, mais on libère des marins du Pearl. Ah, mais je reconnais ce vieux monsieur là. Ce serait pas. Ce serait pas le bras droit du Pearl, ça. Maître Gibbs. Vous chantez moins fort. C'est un plaisir. There were words too, weren't there? It's all fading away. Me, I just as soon as not remember. Oh, I assume we have new defense for our rescue. After we were captured by those scaly sumptresses, I thought we'd be fish food for sure. Josh and me, Gibbs, at your service. First mate, je sais, mais je sais pas où vous êtes. Mais on est retourné en arrière. Former first mate now. Oh là, vous êtes tellement loin. Finally overtook us, and we were dragged down right along with her. But then, as you're in possession of Jack's compass, I'd wager you've already seen the fate of the Pearl. As to her captain, since you're here, might I surmise that Jack's not quite as dead as we were led to believe? Got himself into a whole new world of trouble, I'll be bound. If the captain's in peril, we gotta rescue him. And get captured again? You heard what the siren said. Davy Jones wants to turn this place into his new locker, and we were just first in line. Besides, you know the code. Anyone who falls behind is left behind. Oh, man. I, Anna Maria. And where would that have left the three of us if not still part of the ornamentation? No, I think the pirates in these parts have expanded on the code, as it were. Also, the captain's still got the treasure, so we can't go home until we find him. Oh, I hate it when you have a point. Fine. Rescue it is. Where did Mais du coup, je peux pas refaire demi-tour. Well, we brought Jack back from the dead once before, so we know it can be done. Bah vous êtes où, faut remonter ou faut descendre là? Put our heads together with anyone who's willing to help. Oh, and I'll be needing Jack's compass if we're to find our way to friendly shores. But we've still a debt to repay, so we'll gladly help you any way we can once we've reached land. Donnez la boussole à Maître Gibbs. We'll meet again soon. For now. Farewell. Et ils sont trop bien faits, hein. Bah ouais. Par contre, oh, le pif aussi. Le mec, on dirait qu'il s'est pris un bourre pif, frérot. Oh, voilà. J'espère que t'as bien tout raté. Il est vraiment arrivé à la fin quand ils étaient en train de se barrer, hein. C'est incroyable. C'est ça. Bon, barrons-nous maintenant ou pas?
Ouais, c'est bon. Bah, merci, hein, sinon on aurait raté cette scène incroyable. Donc là, on fait quoi? On remonte, on redescend? Bah, on a terminé, donc on peut remonter. Ça va être tellement loin. Non, ouais. Regarde, on voit déjà notre barque. Si tu me suis dans la direction suivante, on voit notre barque. Ouais, t'inquiète, j'ai vu. Wouah, comment il est trop beau le sabre! Trop bien. Ils auraient quand même pu nous donner une coque bouffée par les sirènes. Avec des crabes accrochés dessus et tout. Comme la coque du crabier un peu. J'ai jamais eu aussi d'aussi bons poumons, hein. Croyez-moi bien. Ouais. Visiblement, les pirates avaient une hygiène de vie incroyable. Et des poumons d'enfer. Ah, d'enfer. Ils fumaient pas la pipe, hein, visiblement. Ah là là. Ça va, Nel? Je regarde pas derrière moi. Oh, et t'as tort, pourtant c'est trop beau. Enfin, c'était trop beau. Ah, on voit plus le bateau. Ah, moi non plus, je vois plus le bateau. Ça, c'est parce qu'on a quitté la couche de scénarium pour revenir dans le monde normal. Mais du coup, le plafond, il est où? Ouais, ça va, je commence à voir les vaguelettes. Ah, moi aussi, ça y est. Ah, je commence à plus respirer. Ça y est, je suis un bateau. Non, je suis un batal. Exactement. Je peux déposer 10 boulets de canon. Je peux déposer un boulet de canon. Oh, vraiment. Bon bah, tout de voile dehors. Hein. Ma chepanelle, elle est remontée. Non, on s'est devenu un petit poisson sous l'océan, tout ça. Après, je peux déposer 10 boulets. Genre, c'est juste l'excuse pour que je l'attende. Non, c'est bon, je suis déjà là. Où est-ce qu'on va maintenant? Quelle est notre destination? Et ben, on a fini, donc on peut juste faire une étiquette. Sinon, on fait une fab, as you want. Sinon, ouais, on a. Les pièces d'or centrées sur Snake Island seront vôtres et surtout pas aux autres. Donc on a une quête comme ça à faire. Et il y a sur chaque herbe aussi. Ah, on est surtout au milieu de nulle part quoi. Shark Bay Cove à la limite là ça serait plein est. Légèrement sud c'est la grosse île. À la limite ça pourrait se faire. Et on va à l'avant-poste plein d'air. On sort quand même le beau couteau. Faut voir le couteau. Il est où le couteau? Là-dedans les couteaux? Pas là-dedans les couteaux. Si les papiers nus, il est plus nu. C'est où les couteaux? Il y a quelqu'un à la barre là ou pas? Non. Voilà le couteau. Le couteau? Putain, mais. À l'aide! Pour repartir plein est. Ouais bah je sais mais vu qu'il y avait personne à la barre, ça a mis la barre à droite et ça s'est barré. Ouais c'est pas grave plein est, vas-y à partir de maintenant tu peux te mettre plein est, ce sera très bien. Ça c'est juste les fringues. Ça c'est juste la barbe. Ah mais non mais les couteaux c'est là, espèce de crétin. C'est celui-là. Ouais, je peux me le mettre à la place de mon couteau de mercenaire. Il est joli, mais il est aussi, pourri. J'aimerais bien changer de couteau. Couteau de mercenaire. Il est joli et il est pas pourri. C'est bon, t'es plein est? Ouais, ouais, bah est-ce tiens, que tu veux que je reprenne la barre pendant que tu. Voilà, pendant que tu changes ouais, de vas-y. Couteau. Quête. Ah, c'est des énigmes en plus. Mais c'est trop bien les énigmes. Ah, ça va, elle est qu'en deux. En bas. Wow.
Ah ouais, il est trop beau. Il a la classe, notre navire tunique, non? Nice. Ah, je vois que j'ai pas été le seul à me faire tuer par une sirène. Oh, joli poisson. Je peux pas le prendre malheureusement, faut que je pilote. Tu feras gaffe, il y a un caillou geyser. Ouais, mais je regardais un joli poisson qui brillait dans le noir. Ouais, bah ça va faire boum. Non. Pareil, le précédent rocher, même pas tu l'as vu. Alors que je l'ai rasé, hein, je l'ai épilé. Hein. Non, j'avais la gueule dans le... Oh, à la cire, mon gars. J'ai pris le calfa du navire, je l'ai... Je l'ai calfaté. Hein. Par contre, il va falloir me jeter une encre, hein, parce que c'est ici. Hein. Allô ? Tourne à droite, vite toute. Non, c'est pas là. Je peux remonter l'encre. On a dû dévier. Ça, c'est ça le petit machin truc, là. Ouais, on a dévié. Hop. Juste par là. Je vais essayer de suivre un peu ce qui se passe. Ça me dérangerait. Allez là, Kakor. C'est bon, c'est bon. Ça veut rien dire. Comment ils ont joué? Il n'y a plus personne à la barre, hein, comme d'hab. Et je suis en train de régler la voilure. Je pêche. Mais sans un pas. Il y a un gros poisson à pêcher maintenant. Au secours. Ça a grossi la droite, il y a une épave aussi à gauche. On peut s'asseoir maintenant. C'est nouveau ça. C'est rigolo ça. Si je fais F, on me remet dans le bateau. Ah ouais. Un peu à droite, monsieur. Quelle contrebande, contrebandier nord-ouest. Normalement, c'est du côté où on est. Ah oui, je vois à quoi ça ressemble. Hop, 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 hop. Tac, tac, tac. Le cimetière, il est par là, je crois. Ouais, c'est par là. Non, l'autre. Sur le cercle extérieur, nord-ouest, le trésor est à portée de main à 8 pas au nord. Creusez enfin. Pas au nord. Je sais pas s'il faut aller au bout. Est-ce qu'il faut aller au bout de la cache? Non, c'est pas la cache. Oh, un vieux livre. Une quête. Intéressant.
perturbe ça. Pourquoi le bas? C'est un très joli poisson ça. Quelqu'un peut venir me réanimer là ou... T'es dans la grotte? Ça s'occupe, hein. Bah ouais. Ah ouais. Bah non. T'es parti. D'accord. Bah fallait pas allumer le baril. Comment ça fallait pas allumer le baril? Nel, t'étais pas obligé d'allumer le baril, hein. T'es vraiment trop méchante. De quoi? Redonne le poisson. Ah bah, mais tu me le tends, je le prends. Mais je voulais te le montrer, moi. T'es où? T'es où? Mais tiens, mais prends ton poisson, là. Donc moi, sergent Côte de Port devant. Croquette. J'ai gagné combien? Il est où mon cochon? Yes. Non, j'ai gagné cochon. 3000 croquettes en plus. Bah c'était pas là la cachette de contrebandier, c'est où le nord-ouest là? Ouest, nord-ouest, normalement c'est là là. C'est pas ça la planquette, elle est où? Elle est où la planquette là? Pourquoi j'entends des coups de canon là? Ouah, je me fais agresser par des crabes, pourquoi je me fais agresser par des crabes? Bah je vais mourir tout seul ici quoi. Qu'on appelle le karma, frérot. Je pense, hein. T'as pas voulu m'aider. Oh le bâtard! Ah, oh, il fait des petits sprints décalés. Je savais pas ça. Bon bah, je suis mort. Bon bah, dommage. C'était bien. Je viens d'entendre un truc là. Je suis mort d'un produit de la pêche. Ah, qui compte comme un squelette d'ailleurs, le produit de la pêche. Ouais, les fantômes, ça fait trop mal. Tu dis ça parce que tu fais pas assez mal. Non, non, parce que je viens de me faire agresser par des fantômes. C'est moche. Il y a une épave là-bas, hein. Moi ça me chauffe. Hein. Les épaves... pas mal. Ah mais sinon j'ai plus important à faire. Et voilà. J'ai 22h YouTube. Un trésor sur le navire. Il y a un bateau qui arrive vers nous. Genre joueur? Genre ouais, vraiment joueur quoi, il fonce sur nous quoi. Ah bah oui, ils vont nous percuter et nous aborder. Non, c'est des squelettes. Et ils sont en effet sur nous. Oh la misère. J'ai pleuré. Ouais, moi aussi je suis là de toute façon. Je nous ramène un beau crâne. Pas touché. Ah, vous avez oublié aussi le petit bout de sirène là, de potion. C'est bon, je l'ai. Et on n'a pas le coffre au trésor, c'est ça? Oui.
arrive. Vas-y, moi je suis à l'arrêt, pas. Putain, déportation de boulet. Quoi? J'ai plus rien? Mais non. Tiens, et si on les rendait tous... Ah, si on les stationnait. Oh, parce que je tire à travers la vague. J'aime pas ça. Pourquoi ça passe pas là? Comment ça passe au-dessus ou ça passe en dessous? Comment ça va? Je pense que ça passe en dessous. De monter sur la vague, mais c'est un peu compliqué. Balance-moi dessus. Il commence à me casser les couilles. Je vais les gouvernail pour arrêter de bouger. Quoi? Mais je suis deg. Ça passe ça. Je suis devenu mauvais au tir de canon. Fait, mais ça passe. Oh, oh non requin, et vas-y, nique ta race le jeu. Tu peux avec lui. Il est bien là. Des moulins. Il a l'air d'être en train de couler. Hein. Il doit y avoir quelqu'un l'a lesté. Non, non, il a l'air d'être en train de couler. Il coule. Ouais. On peut revenir dessus. Ouais, mais il y a ouais, des pics. Pique dessus, pique. N'oubliez pas, il y a le. Ouais, il est bien. Il est tranquille, tranquille, il coule. Ça va. Oh, c'est un petit couloir, that's fine. C'est un requin sympa. Ah, il y a un peu de stuff dessus. Il y a au moins 3 pièces de stuff différentes sur le bateau. Voire 4. Au moins 4. Normalement t'es juste en face de nous. Ouais. C'est ça. Oh là putain, il y en a bien plus de 4. Ou il y en a une tonne. Je t'invite à acheter l'encre. Hein. Il y en a plein. En fait, il y a plein de stuff. Hein. Mais vraiment, genre plein. Je suis en train d'essayer d'actualiser tout ce que je peux. Mais il y a vraiment trop de trucs. Ah ouais! Oh mon dieu! Je vais avoir besoin de caler! Vous êtes dit? Bon, hein. Ouais, vas-y, j'arrive, Nel. Je vous actualise tout le stuff du monde, hein. Normalement, vous êtes quoi, répare? Ah, mais non, vas-y, lâche-moi la grappe, toi! Quoi, j'ai déjà du stuff qui est en train de couler? Mais non. Ah si, il y a trop de trucs que j'ai pas pu actualiser. Ah oui, mais c'est des bourses de pognon, ça va, c'est pas le pire. Je vais quand même essayer de sauver le pognon. Visiblement, ça m'a rien donné. J'ai actualisé du fric qui valait rien.
Attention, ça attaque. Ça c'est un stockage, je m'en fous. Ça c'est un coffre cendré, c'est pas important. Caisse d'épices, c'est pas mal. Je prends. Au lieu d'essayer de le tirer par disque, est-ce que tu peux m'aider à ramener du stuff comme ça on pourra le tirer plus vite en fait. Ouais ouais bah ouais c'est ce que je veux faire mais Ah on prend trop la tasse. Bah non non c'est pas question ça, c'est qu'il y en a un qui m'empêche de faire de le faire en fait. Parce qu'à la base je voulais me... Ah bah c'est pas grave. Je voulais faire en sorte que de pouvoir te choper au... Non non mais il fallait pas lever l'ancre par contre. Bah si, demi-tour au grappin. Parce que le problème c'est qu'il y a absolument aucune chance que vous puissiez rester dans la zone là. Là il va vous emmener à l'autre bout du monde. Hein. Mais non t'inquiète, on a rien. Parce que moi pendant ce temps là je fais frétiller ses petits copains. Hein. Mais non t'inquiète, on arrive. Il y a personne à la répand, hein. Mais j'ai plus de... Ah. C'est bon. Bon. Le bateau il tourne tout seul, c'est ça. Putain. Non, non. Si, si, là il tombe tout seul, y'a personne à la répa. Il est parti réparer. C'est bon, je suis là. Ok, voilà. Je vais se taper où? Je vais se taper par là. Bon, je fais tous les allers-retours possibles du monde, hein. Ok. Ah, faut que j'active la ligne de lutte. Trop. Ok. Ah, okay. Je suis trop, descends la vague. Okay. Attention, ça va attaquer. Ok, ça y est, j'attire un de ses petits potes. Oula, deux de ses petits potes, je suis mort. Il y a deux requins carrément. T'es où? Mort. Dans l'autre monde. Avec les décédés. La bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir récupérer les minions bleues en fait. Il est où? Je le vois pas là au manche. Toi t'es chargé. Toi t'es dessus. Alors le problème c'est que maintenant, vu la position du navire, je sais pas dans quel sens elle le loot. Quelqu'un sait dans quelle direction non, le loot? Pas du tout, franchement je suis concentré sur le requin là. Je crois que... Ah il est là, il est devant. Essaye de voir si tu peux pas le choper au harpon. Que dalle. Ah par contre j'ai deux requins sur les côtes, ça rase. Enculé. Ah non j'en ai pas deux, j'en ai trois. Quatre. Mais il y a quatre requins. Et si jamais je m'en sors. Oh putain, l'autre il m'a vu là. Tu veux un coup de main, Knara? Je suis mort. Trois requins par trois requins, faut sauter, faut les tirer un à un, mais sinon le loot il est pas récupérable. Et le problème c'est que bah il faut l'actualiser. Je peux pas l'actualiser, je peux même pas l'atteindre en fait. Quatre requins, mec, ils sont passés de 2 à 4. À peine j'ai plongé, ils sont passés de 2 à 4. Au calme. Ah, ils sont vénères! Ah ouais, ils sont vénères. Ouais. Donc là, faut plonger, tirer quelques balles, remonter, y a pas plus à faire. Je reviens, je plonge, j'y vais quoi. En espérant bien sûr coup, que. Là, y en a plus qu'un. Y a plus qu'un loup ou plus qu'un requin? Non, non, y a plus qu'un requin. Ah, pff. Ça fait peur. Ah ouais, ça y est, je suis mort pour cette fête. En fond d'écran, ça serait fat. Contrôle F2, je crois. Non. Ok, j'en ai un là. Boum, une balle. C'est bon, il est mort. Je sais pas combien il t'en restait, mais y en a un qui est mort. Ouais, bah moi il m'en restait qu'un en fait. Je réactualise le loot. Ah ouais, comment c'est deux fois plus rapide. Ah, je. Oh non, mais merde, il y a encore deux autres requins là. Oh, vas-y, Knarfang, je viens de te filer un coup de main. Maintenant, t'es où? Ah, ok, t'es là sur la droite. En vrai, t'as besoin d'un coup de main ou pas? Ouais, je viens de mourir. Il y a encore deux requins. On va courir, forcément. Là, faut faire des choix. Hein. Soit faut abandonner le loot.
en se disant Osef, j'ai le plus gros. Sinon, moi je peux le tenir, hein. Je peux réparer en boucle, mais juste je mettrai pas. Ah, mais est-ce qu'il reste assez de planches pour le tenir en boucle? Oui, large. Ok. Donc là, il faut que Partzi tu plonges et il faut que tu ramènes du stuff là. Il faut... Tu tues deux requins, bah, fais quelque chose. T'as tué deux requins ou pas? C'est bon. Non, je suis en train de le tirer au harpon depuis tout à l'heure en fait. Tirer quoi au harpon? Le stuff? Bah ouais. Mais tu m'emmerdes, tu sers à rien en fait. Je t'ai dit, il fallait tuer les requins. Mais là, du coup, je crois t'as que remonté quelque coulé. Chose ou pas? Parce que le stuff il est à gauche bah, en fait là. Bah, hey, t'as vu tout ce que j'ai ramassé ou pas? Le stuff il est là. Hein. Tire-moi à la limite. Je sais pas si t'as vu tout ce que j'ai ramassé, mais. Arrête de tirer sur ce requin, on le tirera après. T'es où? À gauche. Trop tard, t'es trop long, je suis déjà à l'échelle. Faut pas dormir, hein. T'as pas le temps. Là je vais avoir besoin que tu me grabes. Je vais prendre le grog. J'ai le grog là. Il faut que tu me grabes. Allô, tout de ouais, suite. J'arrive. Si je me fais croquer par un autre requin, je suis mort. J'ai plus de vie. Requin sur moi. Me suis fait croquer, il y a 4 requins, je suis mort. C'est terminé. Mais t'es où? Je te vois. Mais je suis mort, ça y est, trop tard. T'as pas compris, j'étais en train de me faire attaquer par un requin. Quand je dis c'est maintenant, c'est pas demain. Je vois même pas ton pseudo dans l'eau. Bah c'est ton problème mec, c'est normal, j'étais déjà mort. Le temps que tu réfléchis, j'étais déjà mort. Les requins étaient en train de me pousser sous l'océan. Ils sont 4 à nouveau. Je peux même pas les tuer ces connards, ils reviennent en boucle. Au secours. Non, faut pas faire 50 choses comme ça, le requin ça sert à rien que tu tires dessus. Hein. C'est, on le tirera quand on aura récupéré tout le loot. Donc le loot il est où sur la gauche, c'est ça? Ouais, ça doit encore briller encore un peu dans l'eau. C'était par la sortie. Pop pof, devant le bateau. Pourquoi t'as plongé? Waouh. Il reste quelque chose ou pas? Non. Alors si, il reste le baril de grog, mais voilà. Il reste que le baril de grog. Reviens vers le bateau. Je sais pas ce que tu fais, reviens. Ou repars, fais quelque chose, prends un taxi, fais ce que tu veux, mais... Je vais prendre le taxi. Quelque chose d'utile et de constructif, s'il te plaît. Le taxi funéraire. Moi, j'essaie de monter le baril de grog. 4 requins, 1 mégalodon, midlife. Je remonte un baril de grog. Let's go. J'ai réussi. T'es terre. Ouais, j'ai réussi en plus. Non, ok. J'ai pris tout ce qu'on pouvait prendre. Hop. Ça c'est chargé. Ok, excellent. Je mange la côte de porc. Il est où? Ok, maintenant on le défonce. Maintenant on lui fait bien ses dents, à ce grand mort. On va être par là maintenant. Je vois son énorme. Oula, c'est trop. Bon, en même temps avec les rafales qu'il a pris Ah, plus de balles. C'est toujours pas des balles. Je l'ai eu au snipe. Elle est là comme ça depuis le début. Désolé, au fait, j'ai juste mis une balle dans l'œil. Il est où? Elle est où sa carcasse? Ah. Elle est à droite là-bas. Là, Parzi, j'espère que t'as des balles sur toi. Parce que des requins, il y en a masse. Ouais, j'ai quelques balles sur moi. Ok, il y en a un qui te fonce dessus là. Regarde derrière toi, il y en a un qui te fonce dessus. Il y en a un qui me fonce dessus. Ok, moi je vais me fumer le mien. Tu m'as raté, mon gros.
Moi je viens de me fumer le mien. Ok, j'en ai fumé un. Méfie-toi, j'ai plus de balles, il y en a peut-être d'autres. Il va y en avoir d'autres. Nel, je sais pas si t'as besoin d'un coup de main ou de quoi que ce soit. Il y a le loot qui remonte, mon poulet. Il y a une file de loot qui remonte. Il y a surtout beaucoup de viande. Mais prends toute la viande, hein. La viandasse, la bonne viandasse. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Oh, de la caisse cramée. Oh là là, ça c'est bon ça. De la caisse cramée. Oh, j'ai plus de place pour du mégalodon. T'as de la place encore? Ouais. Excellent. Go actualiser le loot. Paf. 1, 2. Ouais. Ah putain. L'air est un petit peu agité. Hop. Légèrement, ouais. J'ai fait le crâne, j'ai fait ça. Hop. Hein? Bah allez, on repart avec un truc, hein. Non, non, mais là, je ramène tout à la, à, au niveau de la caisse. Ah. Non, il y a pas de mousse, mais. Je suis pas sûr que tout a été actualisé, c'est pour ça. Oh, Kraken! Nel? Oui. Ce qui compte, c'est juste la caisse qui a des flammes. Le reste, on s'en fout. Je sais pas si tu vois la caisse qui a des flammes. Est-ce que tu l'as eu? Oh putain, non, j'ai eu un crâne. C'est où? Oh, y a plus rien. Oh, ouais. Nel qui l'appelait tout à l'heure. C'est bon, tu l'as eu. Parfait. Non. Comment ça, non? Oui, c'est bon, elle est à l'eau, mais elle est là. Cramponnez-vous à quelque chose? Ça va siphonner. Ah, j'ai pas de balle à lui mettre en plus. Ferme ta gueule! Recharge. Je recharge pas. Ah, oh, je suis dans sa gueule. Mais vas-y. Bien, on peut lui mettre une balle ou deux. Voilà. Il y a un bout là qui est sur le bateau, j'essaie de le faire partir mais Oh, il va me noyer. Le bâtard. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la répa? Oui, j'y suis. Est-ce que ça tient? Ça va, je gère. Tout à l'heure, quand on a commencé à jouer, il y avait un kraken, il va y avoir le kraken. Oh, j'ai deux requins dans l'eau, putain. Pourquoi il faut qu'on stade toutes les merdes du serveur en même temps, juste parce qu'on a ramassé un coffre sur une île? Je vous jure. Ouais, j'ai mangé de la viande crue de requin, on n'a pas le temps. La bonne viande crue de requin. Toi là, boum. Ça a pas touché ça? C'est de ma gueule? Hop là, excuse-moi. Oh non, je vois plus rien. Je suis désolé en plus, c'est juste parce que j'ai mangé de la viande crue de requin. Je suis pas sûr de pouvoir toucher. Derrière toi, fais gaffe. Derrière moi. Ok, faut continuer à battre des tentacouilles. Ok, il vient de rentrer, il vient de rentrer. C'est bon, le Kraken se tire. Ouh, GG, on tourne à nouveau. Sur nous-mêmes. Non, mais ah non. Il se tire pas, c'est l'assaut final. Oh ben non. Un petit peu. Ah, c'est à ce qu'on va? J'arrive. Un peu, ouais, mais ça va. C'est gérable, juste mettre un petit coup de saut.
c'est pas ça que je veux. T'es sérieuse là? Faut que tu tires la tête qui est à droite du navire. Regarde ça. C'est celle-là qu'il faut que tu tires. Ça sert à rien de lui taper dessus. Tape directement sur la tronche qui dépasse de l'eau. Tape sur la tronche qui dépasse de l'eau. Oui, oui, bah tu crois que je fais quoi? Bah tu tapes pas sur la tronche qui dépasse de l'eau. Pour se l'opérer de saleté. Ah, maintenant elle est à l'avant gauche. Elle est à l'avant gauche, faut que t'ailles taper la tête qui est à l'avant gauche. Mais là je crois que ça va prendre de saleté. Ah, elle va me noyer encore. Ça va prendre de saleté. Désagréable hein. Moi aussi elle va me noyer. Ça va être pareil pour moi. Non, visiblement elle va daigner me cracher. Non, 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 ouais, bah vraiment, mis la tête sous l'eau. Jusqu'à ce que elle m'a craché à l'autre bout du monde. Ça va être c'est pas grave, puisque je suis trop loin du bateau pour revenir. Je vais aller à côté de du tentacule le plus proche et le tabasser. Tu t'abrasses, au sabre, rien à foutre, on t'abrasse au sabre. C'est bon, je suis mort. J'ai fait vite. Mais l'arrêt pas, ça tient. Oui, il n'y a plus de trou, il n'y a plus rien, il n'y avait même pas d'eau. Ah, tu t'occupes de lui casser la gueule. Elle est pas violette celle-là, je suis déçu. J'essaye de mettre des petits coups de sniper par-ci par-là. Sans me faire choper. On va encore nous l'achever avec une balle. On va arriver comme des blaireaux. Elle va encore le buter avec une balle. Elle nous a fini la reine, elle nous a fini le kraken, elle nous a fini le mégalodon, elle a fini tout le monde. Sérieux, ça touche pas ça. T'as plus de balles. Toujours pas des balles. Laisse-moi dire ce que je veux. Tu diras plus cool. Laisse-moi avec mes calots. Comment elle a pu te cibler? Je lui ai mis 12 boulets de canon dans la tronche à celle-là. J'aurais jamais dû te saisir. Hein. Dans la gauche, là, y en a. Quoi? Elle est transparente maintenant. C'est beau, ça. Putain, y en a un autre qui m'a attrapé aussi là. Non, mais ça suffit, oui. Non, mais vas-y, on est tous les deux dans une gueule de kraken, mais ça s'arrête à un moment donné ou. Ouais, c'est bon, non! Oh non, elle va me noyer. Ouais, pareil. En plus d'enserrer le navire et tout, mais c'est quoi le niveau de difficulté du mob? On est qu'un sloop, quoi! Ah non, c'est bon, elle m'a ressorti de l'eau. Bah, je vais crever là. Ah ouais, j'avoue, elle me rejette à l'autre bout du monde. Oh, c'est bon, ça y est, elle m'a encore eu. Je suis mort. Pourtant, mince, on lui en met des boulets de canon. Putain, il va bientôt plus rien nous rester tellement on lui a tout tiré quoi. Oh, la difficulté du mob. Au secours.
Ah non, au score, je suis à l'eau. Ou alors faut peut-être le saturer de dégâts. Pour le blesser réellement, faut le saturer, mais je crois pas. Il n'y a pas besoin. Yes. Du coup, ça souffle là encore. Hein. Derrière. Mais non, mais. Je viens déjà d'apparaître, c'est déjà en train de souffler. Pardi, tu peux tirer vite fait sur mon tentacule, hein? Ouais, ouais, c'est ce que je fais, frère. Mais il bouge de trop, ouais, en manger. Ouais, ouais, ça y est. Il va, t'inquiète pas, il va arrêter de bouger, là. Ah, il m'a déjà ressorti de l'eau, comme quoi tu lui as fait des dégâts. Il va me replonger. Et hop là, on boit la tasse. Et offrir mon âme directe. Il va fracasser contre un rocher ou quoi? Je suis passé de pas de dégâts à mort, instant. Putain, super! On va vraiment être obligé de le finir à balle de sniper. Hein. À la fin, on sera 3 sur une planche là. Tabasser au sabre. Ouais, je crois que ça va être ça le délire. Parce que là, boulet de canon, je sais pas combien il en reste là, mais. 48. Ah, c'est pas lourd. Il y a encore des trucs explosifs, etc. Mais non, stop. Ça suffit. Faut mourir, ma bonne dame. Hop, 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 tu fais quoi là? Ah, elle devrait déjà te lâcher là avec tout ce que je lui colle. Mais non. Ah, bah, du boulet ramé. Écoute, on lui balancera tout ce qu'on aura. Hein. Quoi? Ok, petit coup de main à la calme. Ça s'arrête jamais, il est déjà en train d'essayer d'aspirer l'autre con là. Ah non, il a arrêté. Je l'ai annulé. Hein? Ça ressemble à la musique de la victoire ça? Non, pas du tout. Faux. Mais j'ai quand même pété un tentacule. Officiel. Je lui envoie tout ce que j'ai. Hein. Faut mourir, ma bonne dame. C'est quoi la difficulté de ce Kraken, s'il vous plaît? J'ai mis un tentacule, 9 boulets de canon. C'est vraiment ça. Toujours pas mort. 10. 11. Maintenant, il m'aspire. 12. Ah, celui-là, je l'ai raté. 13. 14. 15. Me dites pas qu'on est encore sur un jeu bugué parce que ça va être insupportable. On est sur un jeu bugué. On est bugué. Il est bugué, votre Kraken. Let's go dans la cale. Ah oui, donc là on est mal quoi en fait. Je vais voir le nombre de planches. On est vraiment mal. Pardi, nouveau plan. Ouais. On sort le navire d'ici, coûte que coûte, vaille que vaille. Okay. Toute voile dehors, remonter l'ancre, on se casse d'ici. Hein. Ça suffit ouais, de jouer statique. J'aimerais bien, mais sauf que moi je suis dans une tentacule là. Un tentacule, voilà. C'est pour ça que t'es dans un tentacule, c'est parce que tu sais pas que ça se dit un, voilà. C'est pas le mot.
Si c'est le moment de lui rappeler qu'il fait que des fautes d'orthographe. Bah mais je vous emmerde. Alors qu'il a deux doctorats en lettres. Au moins. Hop, il faut de la voile. Voilà, sous le vent. Excellent. On bougera pas très vite, mais on bougera quand même. Ok, et on va tout droit. C'est parfait. J'ai pas mieux. Et on n'a plus rien. Et on a plus rien. Officiel. Oh ouais, à part. Oh bah je lui tire des flammes, hein. J'ai rien à foutre, hein. Je tire tout ce que j'ai. Hein. Moi j'ai cop, je suis un coup à un aile. Je crois que. Je crois que ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Bah attends, ouh, je jette l'encre. Oh ouais. Il suffisait juste de bouger. Le Kraken ne voulait pas crever parce qu'on ne bougeait pas. Parce qu'on avait planté l'encre. Non, non. Bah mec, regarde ce qui s'est passé. J'ai juste levé l'encre, j'ai commencé à balancer des boulets enflammés et ça a débugué le truc. Bon, il était débugué. Mais du coup, là maintenant, ils sont où les... Les loot là, c'est partout, t'as des mouettes derrière. Tu vois le paquet de mouettes derrière? C'est du loot. Le paquet de mouettes derrière. Allez, petit demi-tour. Ah ouais, bah allez, demi-tour. Hein. Vous voyez la légion de mouettes ou pas? Que moi je vois. Ouais, ouais, ouais. Calé comme ça. On voit où était notre navire ou pas? Est-ce qu'on le voit bien? J'ai même pas envie de voir la gueule du navire. Bah c'est un trou mais avec des planches. Finalement il est quasiment... J'ai envie de dire il est quasiment neuf avec toutes les planches qu'on a remplacées dessus. On a remplacé chaque planche de ce navire. On a vu 90. On va pouvoir rentrer à quai et alors je sais pas si jamais vous voyez la flamme de ma sirène. Hop, c'est à peu près là où je suis. Je commence à actualiser du loot. Il y a un petit crâne cendré pour l'instant. Bah du coup moi tu vois, je fais demi-tour là. Ah, ils ont été cool avec ça d'ailleurs. Je viens de voir que le loup du Kraken il reste plus longtemps. Hop, la nouvelle sirène, pareil. Hein, j'actualise, il y a de la bonne caisse. Hein. On y va. On y va, mes cocos. Je continue à progresser. Vas-y, encore, encore. Et j'essaie d'actualiser tout ce que je peux actualiser. Un peu sur bâbord. Droite ou gauche? Bah, bord c'est gauche. Merci. Attends. En plus. Là, je crois que ça devrait pas être trop mal. Ah, en plus, putain, Bob Lennon avait donné une super astuce pour ça, pour retenir bâbord et tribord. Oui, tu prends le mot batterie. Batterie, ouais. Voilà. Comme ça, le bas il est à gauche, c'est le bâbord, et le tri il est à droite, c'est tribord. Voilà. Je vais avoir besoin de quelqu'un qui a les poches vides. Là, je peux pas ramasser ce bout de Kraken. Ouais, j'arrive. Juste là, c'est si tu vois. Il y a un requin derrière toi, frérot. Ça, je m'en fous. Mais si tu peux sauver le bout de Kraken, c'est le plus important. Ça vaut une fortune et je suis à peu près sûr que Nel n'a pas vendu 200 morceaux de Kraken jusqu'ici. Non. Tu veux faire le malin, le requin? Tu veux rejoindre la collection, hein. Pas de problème, mec. On reste 3 cartouches. Et hop, il y aura un morceau de requin ramassé avec à côté de la sirène, monsieur. Un autre à ajouter. Je vais retourner au navire, vider mes poches. Ah quoi qu'attends, je vais pas prendre. Je vais prendre un crâne, je vais rentrer à la nage. Puis parti avant que le Kraken ne coule ou Alien Shooter si tu veux. Parce qu'en fait, là, il n'y a plus qu'à ramasser du loot. Hein. Oula. Ah par contre, j'ai l'impression qu'il y a à nouveau une tonne de requins. Ouais, c'est pour ça. Je suis resté à l'eau un peu trop longtemps, je crois. Bah j'offre mon âme au passeur. Oh. Mais ce qui compte vraiment, c'est la partie que j'ai ramassée de l'autre côté qui compte énormément, puisque c'est là où il y a les loots qui ont le plus de valeur. Oh.
Alors, bah on les a eu là, navire squelette, mégalodon, kraken. Qu'est-ce qui nous manque? Ah oui, les deux joueurs russes. Quoique non, attendez, on en se loupe. Mégalodon blanc. Alors j'aimerais. Alors là, on a un mégalodon blanc. Hein. Je ne quitte pas le jeu, même s'il faut que je le tue en sabre en boucle. J'en ai rien à foutre. Il est introuvable. Il est ouais. Introuvable. C'est genre les nuits, les soirs de tempête dans telle région avec. Il a une stat de popache qui est honteusement basse. Voilà. C'est honteux. Vous êtes parti par de où, de quoi, de caisse? Je vois qu'il y a un truc qui brille là-bas. J'y vais. Allez, deuxième kraken. Calme-toi. T'es mignonne, mais tu te calmes, hein, parce que là, vu le nombre de boulets de canon. Hein. Sinon, hein, moi je veux bien un autre Kraken, hein, mais le moindre coup de canon que je tire, c'est toi que je mets comme boulet. Tu te débrouilles avec chaque tentacule là. Tu vas lui balancer des yamédés, ce que tu veux là. Tu te débrouilles avec ton Kraken. Moi je mets toutes les voiles et je me casse. Je vous propose d'aller en avant-poste. Je suis d'accord avec cette idée qui me paraît extrêmement sensée. Judicieuse. Exactement. On a tout ramassé, on a tout loot, c'est bon? Ouais, c'est good. Vous avez eu les caisses? Toutes les caisses qui traînaient? Ouais, j'ai récupéré. Ah bah nice. Bon bah écoutez, je vais me mettre sur la cuisson. Je suis en train de faire cuire la bouffe. Bah excellent. Bon bah je te laisse gérer ça, hein, y en a plein les tonneaux là. Y'en a plein les tonneaux, mec. De quoi, de la bouffe? Oui, regarde dans celui du dessus là. T'en as pour des. On aura fini de vendre que tu seras encore en train de cuire, t'es prévenu. Ok. Il faut que j'aille nord-est. Je refous tout sur le pont. Hein. J'étale le. Dans le tonneau du haut là, c'est la teuf. Hein. Ouais, ouais. As-tu vu tout ce qu'il y a? Et n'oublie pas que c'est genre 45 minutes de cuisson chacun. Ouais, c'est un truc comme 45 secondes, je crois. Non, plus, je crois. Enfin, c'est plus, pas sûr. Oui, il y a aussi des poissons. Je vais tout cuire. Et dans la caisse du bas, tu as les poissons brûlés. Sache que ce n'est pas moi qui les ai brûlés, je les ai trouvés brûlés. Non, évidemment. C'est pas moi, non. Non, c'est pas toi, c'est juste que je les ai trouvés. Vous savez, quand on s'est arrêté pour rien, au milieu du truc, là, qu'on cherchait à plonger, que je fais, il y a des mouettes, c'est peut-être là. On va où du coup, à Plunder's Valley, c'est ça? J'ai mis l'avant-poste le plus proche sur la carte. Ouais, bah c'est globalement droit devant. Non, non, je un sais, poil okay. Plus gauche, mais vraiment un poil. Hein. Ah, j'aurais dû. C'est vraiment une histoire de poil. Bah, c'est le grand pic rocheux que tu vois devant à gauche. Et ouais, il faut que tu ailles à sa gauche vers la plage, puisque c'est là qu'il y a l'arrêt de bus. Voilà. Il commence à se faire tard. C'est bon, au fait, t'es toujours sur tout tube? Ouais, on est toujours sur ton tube, je crois. Ouais, on est toujours sur ton tube. Ouais. C'est ton tube pour avoir à quel point c'est un excellent jeu. Il nous reste 14 planches. Hein. Et heureusement qu'on avait chargé ce bateau comme des sourds. Ouais. Putain. Un peu, ouais. C'est incroyable, hein. Ah, la combo Parzi Knarfang, c'est vraiment certifié de te taper un squelette. Ah ouais, un kraken, deux requins, un kraken, un mégalodon, des sirènes, une reine sirène. Et il nous manque encore nos PK. C'est vrai. Où sont les Russes? Bah tu sais quoi YouTube, j'ai bien mérité une clope. Je viens d'allumer la mienne. Moi aussi. Je pense non que...
pense que tu peux serrer un peu plus à gauche. T'as cramé un bout de Kraken? Non, il a renversé sa clope. Non, c'était du mégalodon. T'as cramé du mégalodon. Vraiment, le mec sans pitié. Non, enfin, j'ai pas cramé, je l'ai mangé, quoi. Oh non. Thierry, c'est terrible. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pas entendre. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à gauche, derrière lui, il y a un bateau. J'ai rien compris. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, c'est que bah du coup on n'est pas si loin de ça de la première place. Mauvaise nouvelle, c'est que derrière l'île à notre gauche, il y a un bateau. Ah, des joueurs armés jusqu'aux dents. Bah, va falloir serrer à gauche. Hein. Pardi, je t'invite à prendre tous les, enfin je vous invite à prendre tous les boulets incendiaires du monde, hein, parce que il y a une chose qu'on ignore, mais les joueurs détestent les boulets incendiaires. Mais bien comme il faut. Tu le vois ou pas? Il va falloir serrer à gauche vers le quai. Hein. Ouais, c'est un bateau joueur. Bateau joueur et je dirais une sloop. Tu le vois où? Ah oui, au loin à gauche. Mais il faut qu'il sorte à gauche là, faut qu'on aille sur l'île. Hein. Let's go, on y va. À droite alors. Non, à gauche. Gauche. À gauche. À gauche tout, il est là le cas, tu le vois. Hein. À gauche. Non, tu vas pas à gauche là, tu vas à droite en fait. Bonsoir la famille pirate. Bonsoir. Tu peux dire bonsoir à YouTube. Bon. Ah bah bonsoir YouTube. Mais tu vas où? Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est moi, je comprends ma droite et ma gauche. Mais oui, c'est ce que je vois. Attends, je sais pas comment les gens font pour confondre leur gauche et leur droite. Gauche, c'est par là où tu commences à écrire sur une page. Enfin, quand t'es occidental, enfin, ouais, si t'es pas arabe, juif ou je sais pas quoi. Enfin, tous ceux qui commencent par la droite. Je sais pas si les japonais commencent à... C'était normal, quoi. C'était normal, c'était con. Voilà. T'avais envie de la dire. Je t'ai rendu service. Non, j'allais dire les européens, mais je suis pas sûr que tous les européens commencent par écrire à gauche, en fait. Bon, les européens, potentiellement, y a peut-être des peuples qui écrivent à droite. Ah, bah, sloop. Loop, bah tu peux leur présenter nos canons. On va avoir besoin d'un coup de main sur le pont. C'est l'heure de la guerre. Ok, bah j'ai pris toute la grosse viande avec moi au cas où. Hein. On a plus de planches. Hein. Bah ouais, on a plus rien. On a plus rien, mais va falloir y aller. Hein. On a beaucoup trop de loot pour se laisser couler. Ouais, et ils nous viennent dessus. Bah prépare-toi à fuir. Ah non, Nel. Non, Nel, là on est dans la côte, Nel. Oui, mais vrai, c'est hop, tu nous sors de la côte, tu nous mets la barre à droite tranquillement, là, un léger droite. Moi je vais dessus, je vais les incendier. Vas-y. Dans ce sens là, je fais une petite diversion, gauche-droite. Oh, je me suis pris un boulet pleine face. Je sais pas si tu peux me sauver, Nel. Non, laisse tomber. Je donne mon âme au passeur. Ah ouais, si tu peux, bon bah je suis mort. Incendies, bien senti. Mais j'ai incendié leur bateau. Mais j'avais dit qu'il nous manquait nos PK. Ils sont là. C'est le moment où on va tout perdre. Ouais, on les a YouTube, au moins YouTube sera témoin. Hein. Sois témoin YouTube. Avec ma petite flamme rose. La flamme des vrais hommes.
Allez, Sésame, ouvre-toi. Ah, on est aussi loin que ça, là. Ça nous revient dessus. Ouais, ils nous reviennent dessus. Bon, bah, let's go encore une fois à la mer, hein. Ah, je l'ai pas eu. Ah, toi aussi, tu y vas? Ouais, j'y suis déjà allé, ouais. Putain, je l'ai pas eu. Chier. Il m'a grillé, je suis sorti de l'eau trop tôt. Hop, moi je l'ai tué. Allez, ah, par contre, il y a son pote qui me fait la fête. J'ai une chose, tu peux. Mais, téléporte-moi. Non, il m'a tué. Avec tous nos potes qui brillent sur le pont, t'inquiète pas qu'ils vont nous traquer pendant 1000 ans. Ouais, le problème c'est qu'il y a un truc de la faucheuse qui est... Hey, toi là. Comment ça, ils ont un drapeau de la faucheuse? Hey, toi là. Ah non, il y a un... Ok, on fonce sur un mec qui a un drapeau de la faucheuse, c'est ça que t'es en train de me dire? Ouais. Alors, paramètres, c'est quoi déjà pour parler? Est-ce que tu peux me donner une direction? Tu veux que je nous indique un autre avant-poste à la limite? En essayant d'éviter les zones bateaux. Un autre avant-poste. Waouh, bah on en a pas. Le plus proche il est derrière nous et après. C'est très loin quoi. Et là surtout que tu vas vers le bord de map. Donc il faudrait impérativement repartir vers l'est. Ouais. Quitte à sauter vite fait, vendre un loot à Plunder Spike. Chacun et se re-téléporter sur le bateau qui navigue tout seul. Des chasseurs. Mais on n'a pas de munitions, faut que t'économises. C'est impératif. Ah, tu t'es tiré? Non. Ok. Ouah, c'est pas passé loin. Heureusement qu'ils savent pas trop viser, hein. Ouais. Quand les balles tombent trop. Ah, il est trop loin. Ouais. Mais du coup là on a le vent avec nous, on devrait aller un tout petit peu plus vite que je pense. Oui, parce qu'ils ont pas inversé leur voilure. Continuons à les divertir avec nos balles. Eh, pourquoi se casser la tête là? Là tu te mets au top pour les tirer. Ah bah ouais. Je vais nous resserrer sur l'avant-poste. Ouais, le problème c'est qu'il y a d'autres bateaux aussi. Il y a d'autres bateaux qui arrivent dessus aussi? Ouais, qui s'amènent dans la direction. Pour l'instant, tu fais full nord-est. Écoute, je vais juste passer à côté si quelqu'un veut sauter avec des loots précieux, tu fais. Comme ça, on ira à l'autre avant-poste. Des loots précieux. Là, on va passer à côté. Il faut que vous sautiez tous les deux, vous prenez des loots qui ont de la valeur. Genre les caisses enflammées, c'est ce qui a le plus de valeur. Il y a la caisse bleue. La caisse bleue à minéraux. Ouais. Je vous passe à côté du ponton. Non mais tu pouvais attendre, je vais raser le ponton. Vas-y, saute. Hop là. Et je vous conseille de prendre un taxi parce qu'il y a personne à bord du bateau. Il
les méthodes de vente à l'arraché. Ils arrivent à toute vitesse en plus, hein. Bien sûr qu'ils arrivent à toute vitesse. Prenez le taxi. Ouais, c'est tentant. Ouais. J'aurais touché, hein. Ok, ils ont mis l'encre. Et ils ont posé l'encre. Excellent. Il faut absolument qu'il y en ait un qui retourne sur le bateau. Je suis sur le bateau. Excellent. Moi aussi, j'ai mis le feu. Il s'est planqué derrière sa fenêtre. Il est trop mignonne. Et toi là ? Oh. Hop, jette-moi ça sur son bateau. Voilà. Et faites gaffe, il n'y en a pas un qui vienne sur le nôtre. Hein. Je suis sur le bateau. On est beaucoup trop loin. Ils peuvent pas. Donc nous, il n'y avait plus personne sur le bateau, c'est ça, ou il y avait juste Nel? Il n'y avait plus personne pour un moment et j'ai pris le taxi pour contacter le... Ah bah yes, il y a un avant-poste pour aller vendre le poisson. Il y a un avant-poste pour le poisson si tu veux, s'il te plaît. Il va devoir taper la côte. Vas-y Nel, rapproche-toi, serre à gauche. Non, mais il est pas loin. Bah si, hein. Ils nous suivent plus. Il y a le truc de la faucheuse qui est pas loin. Si, ils nous poursuivent encore. Hein. Ah mais là du coup je peux pas t'aider Nel, je suis vraiment désolé. Hein. Est-ce qu'il faut réparer le... Faut réparer quoi? Bah faut réparer le levier là pour monter le... Mais il y a trois qui penchent. Hein? Attends. Oula, on passe à côté d'un poste de poisson là, c'est ça? Ouais. Hop. Je vais prendre tout ce qui a de la valeur, un maximum, même cru, c'est pas grave. C'est où? C'est derrière? Hop. Et je reprendrai un taxi. C'est pas lui qu'on lui voit là. Ah oui, t'es en train de récupérer du bois, c'est ça? Tu récupères du bois et des boulets de canon, c'est ça? Ouais. Pardi. Ouais, c'est ça. C'est ça, ok. Non, c'est pas lui que je cherche. Il est où la personne à qui on vend là? Hein? Y'a pas de vendeur ici? Bah non. Mais putain de merde. Quel avant-poste pourrave. Bon, attends, je prends quelques planches. C'est bien, déjà y'a des planches. Cool. Ouais, et puis j'ai pris tous les boulets que je pouvais. Ouais, ça marche, je vais prendre le reste. J'arrive. Ah, nice, on a fait plein de planches, c'est cool. C'est cool, hop, et 4 boulettes. Tu vas est-sud-est. Oh ouais, j'ai vu, en plus c'est un galion je crois, le joueur avec le drapeau. Je te dépose du bois, 5 planches de plus. Ouais, moi aussi je vais déposer du bois. J'ai des boulets aussi. On va changer les voiles de côté. Puis je vais faire cuire le reste de poisson. Hein. Si vous voulez, on se dirige vers un autre. S'il y a des trucs à rendre. En prio, je crois que ça va être les cailloux rouges qui vont apporter le plus. Hein. Je suis en train de regarder vite fait, mais je crois que c'est les cailloux rouges. Et ah, le crâne de capitaine, évidemment. Et la caisse d'épices. On pourrait même faire ça. Voilà. Triplet, ouais, c'est ça. Triplet de... Hop. Tout ce qui a le plus de valeur d'un côté. Ce qu'on a le moins par là. Ça vaut R. Ça là-dessus. Caisse de stockage. Ah, mais on a une caisse de stockage!
Oh, attendez, on a du matos. Et on a une caisse de stockage sur le pont, les enfants, avec 30 planches dedans. Mais lol. Mais lol, mais si, je la pose au pied de la cloche. Il y a ça, et il y a encore 25 boulets de canon dedans, sachant que je viens d'en avoir 10, je viens d'en prendre 10 sur moi. Il est assez loin. Il est assez loin. L'avant-poste est toujours bon la direction ou pas? Je crois pas, hein. Je crois que tu vas par trop au sud. Non, c'est assez bon. Ok, ah oui, putain, il est vraiment au bout du monde, on s'inspire. Okay. Ne pose pas sur le point de table, on s'en fout. On peut passer à l'avant-poste, direct, je rappelle ailleurs, on peut aller dans ce sens. Je t'entends pas, net. En gros, vous sautez pour l'avant-poste, dit direct. Et moi, je braque direct, on se barre, pas qu'il me rattrape. Bah du coup je suis en train de faire cuire la viande là. Quoique attends, il est plus derrière nous là. Ah non, il a lâché l'affaire. Alors il a peut-être pas lâché l'affaire, mais avec Ancient Spire on pourra avoir le vent en fait avec nous par rapport au quai d'Ancient Spire. Donc je pense qu'on peut jeter l'ancre. Et une personne qui guette en fait. Non, il y a le truc de la faucheuse qui est encore derrière. Il est derrière nous? Ouais. Ah ouais, il est derrière nous, ouais. Tu veux que je te pose du steak, monsieur? Du steak pas cuit? Vas-y, hein. J'ai posé, tu me dis hein, si jamais faut récup. Hein. Je préfère mourir avec ça dans mes poches pour leur laisser. Mais normalement, l'autre, si c'est un galion, il peut jamais nous rattraper. Hein. C'est méga mort pour lui. Hein. Ah ouais, il est si loin. Ouais, il nous vient dessus hein, après, mais. Il y a un bateau à l'avant-poste. Il y a un navire à l'avant-poste là, vraiment. Putain. Mais ce jeu nous déteste en fait. Bah, go plein d'or. Hein. Ah, ça me rappelle des souvenirs ça. Non, mais là surtout qu'on est vraiment là où il y a tous les navires du serveur quoi. C'est vraiment ça. C'est plein d'or hein, du coup. Let's go. Je vais donner un azimut exact. Ouais, ça va être plein d'or. Hein. Prends le vent en fait. Prends le vent sur tout ce qui t'arrange le plus. Ouais, là, bah voilà, tu prends un bon vent comme ça et puis nickel. On trace tout le monde depuis cette main. Après, si tu prends plus nord. En fait, ce qui serait bien là, c'est que Kraken's Fall que t'as devant toi, tu passes par la gauche. Ouais. Donc tu me diras, j'ajusterai tes voiles. Mais là, normalement, personne ne nous rattrape. Et il y a un galion fantôme derrière. Et le galion tourne sur nous. C'est pas un galion fantôme, ça? Le mec qui est derrière nous, là? Bah, je crois pas, non. Vu comment ça brûle. Ah, tu me diras, vu comment il tourne, ouais, c'est pas impossible. Mais c'était pas lui qui était dans notre sillage? Attends, je vais regarder s'il est dans notre sillage ou pas. Non, oui, c'est un navire squelette. L'autre, il est plus à droite et il est bel et bien en train de tourner pour essayer de le couper. Mais il est plus à droite. Oh, me dis pas qu'on est tombé sur une alliance de PK, au secours. Heureusement qu'on est censé être en mode aventure tranquille, peinard entre joueurs. Hein. Vraiment. Ah non, c'est eux, c'est bien eux. Non, c'était pas des squelettes, c'est bien eux qui tournent pour nous venir dessus. Hein. Éteignez les lumières. Tu vends des trucs sur le pont qui brillent comme je sais pas quoi. Oui, c'est ça, on brille comme une putain. On a ça, on a les boulets incendiaires. Ouais, tout le monde nous voit. Hein. Alors, vu qu'on est plus rapide. Gallon's Grave, le port, il est au sud, il est entouré de rochers, donc il va faire chier quand même le gros navire pour manœuvrer. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les mecs vont galérer à manœuvrer pour nous rattraper, ce qui veut dire qu'on peut s'amuser à faire des petits tours autour. Pour ça, je vais prendre la barre parce que... Et bah ta trajectoire est parfaite.
Voilà. Je viens de te le dire. Tu es parfaite, mais tu le savais déjà. Là, quand on va piquer sur Galleon's Grave, ce qu'il faudrait idéalement, c'est ralentir au niveau du quai pour qu'on puisse sauter à deux pour vendre du stuff. Contourner par la droite, parce que c'est là que tu vas avoir. À quoi qu'il faudrait contourner par la gauche, parce que c'est là que tu aurais le vent. Et si vous prenez le vent. Mais en fait, idéalement, même le. Tu disais, excuse-moi. Genre, vous prenez deux coffres, vous dropez au niveau de la page, c'est genre un petit X vite fait qui part, hop, ça drop ouais, le coffre. Ça. Vous reprenez le truc, vous sautez, vous pouvez vendre 4 du coup. Ok, tu dis qu'on saute, on jette les trucs à la mer. Au niveau de la plage quand on arrive. Ouais. On nous débarrassera déjà un peu. Il est toujours sur nos côtes le mec, il a décidé de faire le tour de carte. Complètement. Il est sur notre trajectoire d'interception ah ouais. De ouf. Hein. De ouf. Hein. Il est vraiment sur nous quoi. Moi je propose même que les trucs qui ne valent rien passent par-dessus bord. Ah ouais, t'es comme ça toi. Bon écoute, non, je vais pas être méchant, mais la boîte décorative, je crois que c'est 150 balles. Ouais, on s'en fout. Mais 150 balles, ça dégage. Le crâne, la coupe argentée, je crois que c'est la même. Ça vaut rien. Le coffre d'aventurier, ça vaut rien. Ces crânes-là, par dizaines, ça vaut quelque chose. Et ça vaut 250 balles, je crois, maximum le crâne. Merci, au revoir. Voilà. Toi non plus tu vaux pas grand chose. Les cailloux de sirène je sais pas combien ça vaut, je veux pas les jeter parce que je sais pas combien. C'est entre 1000 et 3000. Ouais donc on va les garder. Coffre de maraudeur cendré, ça peut encore valoir un peu c'est d'argent mais. Qui ça dépend à qui on les vend. Ouais. C'est qui à qui ça vaut le plus d'ailleurs, parce que moi je sais pas. Je sais plus du tout. Ok, pas de soucis. Baril de grog, ça vaut encore un peu de pognon, mais c'est de l'emmerde hein. Ça vaut du fric, mais c'est chiant. Vas-y, hop, des caisses de terrain. Et encore, je suis même pas sûr que le terrain, ça vaut grand chose. Encore pas mal de stuff qui vaut du pognon. Encore beaucoup de trucs. Hein. Ça, c'est de la merde. Ça, salut. Hop, et les cailloux verts, ça vaut de l'argent. Ok. Hop. Ok. Là, c'est l'île qui est là à droite. Hein. Ah oui, Galen's Grave, c'est à droite. Hein. Oui, c'est pour ça que je suis en train de manœuvrer. Parce que là, il y a la nage, c'est un peu chaud. Ouais, si, vas-y, j'y vais la nage. Je prends une cage, j'y vais. À tout à l'heure. Ah vas-y, bah écoute, oh, ça fait loin en vrai. Non, mais moi j'y vais. Toi trop tard, hein. Le temps que tu réfléchis, c'est trop long. T'es un foutre. Non, mais c'est vrai. Moi je veux pas être méchant, mais je vois déjà. En fait, si tu veux, je vois déjà plus que les voiles du dessus qui dépassent, c'est vraiment la voile du top. Donc. Ça a l'air de rien, mais vu que vous êtes sous le vent, ça fonce très vite. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée que tu fasses demi-tour comme ça. Non, faites pas demi-tour, visez l'avant-poste suivant. Visez l'avant-poste suivant. Juste donne-moi la prochaine direction, pardon. Parce que je crois que l'autre il est toujours sur vos côtes. Hein. Regardez sur la carte, mais je crois qu'il est toujours sur vos côtes. Hein. Ah ouais, là faut que tu fasses un demi-tour en passant par la droite là. Non, pas un demi-tour. Elle fait pas de demi-tour et on va se prendre un navire dans la gueule en voile contraire. Bah l'autre c'est. Bah c'est au nord. À l'ouest. Ouais, c'est nord-ouest. Non, au nord on arrive au fin de la map. Là en gros faut qu'elle fasse du ouest-sud-ouest. C'est quoi le nom de l'avant-poste? Dragger. Non, il y en a un Dracker. Autre. Il y en a d'autres. Il y en a un autre au nord. Ah bon? Ouais. Bah moi le nord, je vois le fond de la map. Hein. Oui, mais alors tu dois voir le nord et pas le sud. Mais sois sûr d'être dans le bon sens de la carte. Hein. Parce que là, je suis en train de me rendre compte que j'ai laissé potentiellement deux personnes qui savent pas donc lire une carte dans le bon sens. Ah non merde. Moi, ah merde. Allez, sois cool le jeu. Sois sympa. Bah non, je suis bien dans le bon sens. Allez, je vais me sécuriser.
Hop, hop, hop. Bah, normalement, il y a des avant-postes vers le nord, monsieur. Donc... Non. Là, on arrive à Marauder's Arch. Et après, c'est la fin de la map au nord-nord. Oui, et bah, Marauder's Arch, il y a un avant-poste, que je sache. Bah, moi, c'est pas marqué avant-poste dessus. Ah, bah non, bah alors... non, mais avant, t'as d'autres trucs, non? Bon, bah, bah ouest, avant, mais normalement, c'est pas sud-ouest. Parce que même par l'ouest, normalement, dans l'ouest, tu as... Comment il s'appelle Sanctuary. Sanctuary, ouais, c'est ça, t'as Sanctuary et t'as Golden machin. C'est le nord. Parce que là, on va se le prendre de plein fou. Tiens, le gros navire là, il est juste là à putain, gauche. Putain, j'ai un sloop sur le cul. Il y a le sloop qui poursuit là, il vient de voir, je pense, mon truc. Et l'autre, il a décidé de nous poursuivre vraiment jusqu'au bout de la map. Hein. Jusqu'au bout du monde quoi. Par contre, l'autre, le sloop, je crois que c'est pas des méchants, je crois que c'est des mecs qui traînaient dans le coin. Je me TP, j'arrive. Paniquez pas, profitez du vent surtout. Voilà, je crois qu'il faut que t'ailles un peu sur la gauche. Alors attends, je vais guider. Je vais voir. Ah oui, là, ouh, putain, ouais. Ah oui, vous êtes déjà là. Ouais, bah ils sont sur notre gauche. Ouais, hein. Et bah ils sont déjà sur notre gauche et déjà la guerre. Let's go. Pourquoi ils nous rattrapent aussi vite? Normalement, ils doivent pas nous rattraper. Sinon, vous planquez le loot sur l'île là où on est. Voilà, celui-là, il est beau par contre. Hein. Ah, celui-là, il est beau. Ah, j'ai pris en plein dans la bouche. N'attends pas la bouche non plus, quoi. Je répare. Hein. Bah, avant-poste suivant, voire demi-tour. Voire tant pis, un demi-tour. Hein. Parce que si dans ces cas-là, si avec le vent il nous rattrape, ça veut dire qu'en contre-vent il nous rattrape pas. Alors, bah alors attends pas avant de faire demi-tour. Nel, t'as déjà fait des demi-tours? Ouais. Donc, Narfang, t'es chaud? Oui, parce que là en plus vous êtes même pas sous le vent. Hein. Démerde-toi, mais tourne. Tourne maintenant. Full tourner. Je suis à fond. Je tourne depuis tout à l'heure. Allez, 3 montées là-bas. Faut qu'on soit 3. Allez, let's go. Mais j'avais déjà fait le tour de l'île, hein, les gars. Mais c'est pas grave, c'est pour faire demi-tour beaucoup plus vite. Au moins, comme ça, il nous faut le vent va être à droite. La voile à droite, les voiles à droite. On va passer là où il nous voit pas, le monsieur. GG Nel. Très très belle manœuvre. La serre à droite, full droite, c'est parti, on repart. Merde, putain, j'ai. Merde, les voiles c'était dans l'autre sens, je suis con. Les voiles dans l'autre sens, s'il vous plaît. Ah, les bâtards, ils ont fait la même chose que nous. Bien sûr qu'ils ont fait la même chose, ils sont pas idiots. Hey, y'a un mec sur le pont. Oui. Il a pas vu de faire tomber. Oh putain de pigeon de merde! C'était pas le moment de venir me casser les couilles avec mon pigeon. Allez, ton petit boulet de canon qui se déteint. Ah, je vais aller un peu loin. Ouais, un peu loin. Planche. J'entendrai pas. Bon, let's go. Toute voile. Faut prendre les voiles tout de suite. Pardon. Ouais. Faut s'assurer du move. Voilà, c'est ça. On garde les voiles en pleine face. Normalement, c'est là qu'on va le plus vite. Normalement, là, ils peuvent plus nous rattraper. Ou alors, vraiment, je sais pas ce qu'ils font, mais ils cheatent. Hein. Parce que normalement, on est censé aller plus vite que dans un sens ou au moins dans l'autre. Ouais, c'est quoi ça? Bah, des boulets de dématage. Vas-y, retiens. Retiens encore. Retiens. Tu le retiens pas, là. Retiens-le. Mais... C'est pas le bon, espèce de con, t'es en train de rentrer la voile. Ah oui, si, tu rentres la voile. Oui, rentre la voile. Ah, ferme ta tronche. Vas-y, attends, je répare. Remonte l'autre, putain. Je tiens. Mais non, tu le tiens pas. Mais...
Il faut que tu le gardes en haut. Une fois que tu le gardes en haut, tu redescends pas la voile. Je la redescends pas la voile. Eh, j'en sais rien, mais tu fais de la merde. Il lâche tout seul. Tu me racontes ce que tu veux, mais tu fais de la merde. C'est même pas très compliqué. Remonte-le, remonte encore. C'est juste une seule touche, c'est pas trois touches. Touche à rien. Voilà. Tu peux descendre la voile maintenant. Putain, mais quelle quille. Tu nous fais perdre un temps monstrueux, quoi. C'est pas encore passé par-dessus bord, ça ouais. Chercher fils de pute. Tute. Mais ils se sont occupés de quelqu'un d'autre. Ah bah qu'ils s'occupent entre eux là. Mais nous il nous lâchera pas, ils ont vu trop de loot dessus. Ah, c'est pour ça qu'ils ont attendu toute leur soirée pour prochaine avant. Ils ont attendu toute leur soirée pour Galeon's Grave là. Galeon's Grave, on retourne sur Galeon's Grave. Donc cette fois-ci n'oublie pas, il faut nous lâcher devant, à peu près devant. Je prends un crâne, je suis un crâne. Hop. Et non, au pire, sinon on lâche les ancres et on y va à 3. Hein. Tu sais, on se pose vraiment au niveau ils du. Sont, ils sont 4 sur leur là. Bateau, mec. Ils sont 4. Ouais, j'avoue. Et ils sont 4 et ils sont habitués à ça. T'as vu leur drapeau? Il a que ça comme couleur. C'est-à-dire que depuis je sais pas combien d'heures, ils font que ça, que traquer des joueurs. Et ça se trouve qu'ils font que ça depuis toute leur journée. Tu sais, c'est les connards qui montent là. T'as vu sur le pont avec de la grenade, très probablement double tromblon. Moi, je suis équipé pour l'aventure, ils sont équipés pour la guerre. Et ils font que ça. Essaye de prendre le vent le plus possible de face. Ah ouais, ça y est, il a déjà commencé à tourner le vent. Ouais, il va falloir commencer à tourner la voilure. Ils sont plus sur nous. Hein. Oui, c'est pas grave, on tourne la voile. Et toi, tu passes par la droite de l'île, Nel. Là où t'as le plus de vent. Et la bonne droite, Nel, s'il te plaît. Excellent, Nel. Je peux le ramasser mon crâne. Hop là. Hop, on te retrouve sur le ponton. Oh, cette vidéo va être si longue YouTube, je vais mettre 20 jours à la télécharger. De toute façon, il n'y aura personne pour regarder. Là. On s'en fout. C'est moi où j'ai vu une lumière sur le. Je crois qu'il y a quelqu'un qui campe sur l'avant-poste. Oh, je non. Crois que j'ai vu une lunette dans la galerie. Alors, j'espère que c'était juste un postillon, on va dire, lumineux de mon crâne. Mais j'ai l'impression que c'était une lunette. Non, c'était pas un reflet. Il n'y a pas de reflet dans la roche. Méfie-toi, attends-toi de prendre une balle. Non, j'ai pas pris une balle pour l'instant. Bon, vite, faut récupérer le staff de Nel. Putain, on s'est fait chier pour un truc à 800 balles, quoi. Merde, et elle est où la sorcière? Ah, je savais pas là. Nel, c'est bon, tu peux repasser devant ou pas? Il faut que je fasse un gros détour. Pourquoi un gros détour? Pourquoi un gros détour? Parce qu'avec tous les putains de rochers, je vais te dire que c'était pas facile. Attends, faut qu'on voit où est-ce que t'es. T'es bien passé à droite. T'es où? Je tourne. Mais où ça? Mais BTDR, mais t'es où? Mais. Mais sans déconner, je te vois même pas. Je reviens vers le sud, je sais même pas où t'es. Nel, t'es où, bordel? T'es sur quel map? Dans quel jeu? Arrête de jouer à League of Legends, c'est nul comme jeu. Putain. Ah, t'y vas? De toute façon, on y va tous les deux, comme ça on re-téléporte du loot. Plus vite on y va, mieux c'est. Arrête de te poser des questions, mon poulet. T'es où? Mais t'es où? Mais c'est Galeon's Grave dehors devant, moi? C'est pas Galeon's Grave? Tu t'es barré? Bah ouais.
Ah ouais. Là, on est loin de Galen Graves là. Là tu t'es barré où? À l'autre bout. En fait t'as tourné dans un sens, t'as oublié de tourner dans l'autre. T'as été frappé de narcolepsie. Nel, t'as eu peur toute seule, avoue. Mettons-lui la voile avant s'il te plaît. Voile avant. Je crois que c'est un sloop. Du coup droit devant à gauche, si je dis pas de bêtises. Mais de pas tourner la voile, espèce de con. Bah. Donc, est-ce que tu vois le quai, le ponton? Ou est-ce que tu veux que je fasse la manœuvre? Non, c'est bon. Ok. On va aller au ponton. Je veux que tu passes juste à droite du ponton. Je vais lâcher l'ancre. Ok. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Va vendre. Je répare. Vendez tout. Vendez tout et n'oublie pas de vendre Pardy avec. C'est parti. J'aurais peut-être le temps de vendre un caillou. Vas-y, je vends un caillou vite fait. Tous les cailloux, hein, vous vendez au marchand, on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout. Après, pendant vos allers-retours, votre seul boulot, c'est de checker de l'œil le sloop. Parce que moi, je vais redresser, je vais relever l'ancre. Et en fait, dès qu'il est là, bah, je la lève intégralement. Ok. Mm-hmm. Le problème, c'est que moi, je serai de dos par rapport au sloop. Ou alors de face. Dormir après ça. Le coffre de l'alcoolique en dernier s'il faut. C'est bon, je suis en train d'aller. Je commence à le gérer. Ah. Étonnamment. Très étonnamment. Tac tac. Le sloop, vous le voyez toujours pas là? Pas d'infos sur le non. Putain, j'ai vu ses voiles pourtant quand on est revenu. Ah si, il est juste derrière nous. Je lève ou pas? C'est comme tu veux, hein, vas-y. Hein, si t'as mais envie, je vois pas, tu me dis soit je lève, soit je lève pas. On se part. Ok, merci. Il nous fonce dessus, il nous attaque, c'est ça? Garnet sur le bateau. Ah oui, bah d'accord, bah super, on est mort. Mais putain, vous avez dormi. Je l'ai dit. Je l'ai dit, y a un mec sur le bateau. Oui, mais l'autre il est en train de rire comme avant. Tu veux que je te dise? Bah, je crois qu'on est mort, c'est fini. Pardy, il va crever, terminé. Non, il est en train de se barrer. Il vient de jeter l'ancre. Ouais, il va se barrer temporairement. Hein. Je viens de le tuer. Bah, occupe-toi de sécuriser le navire, tirer sur les autres s'il faut. Nel, tu te mets là. Ah, j'aimerais bien, mais j'ai un mourir. Nel, tu te mets. Allô? Allô? Allô, bonsoir? Au revoir, Rio Doué! Friendly, friendly. Ouais, ils sont en train de mettre ça. Ok. Ah bah ils sont en train de démonter tout le bateau. Ah bah ils ont carrément des fantômes à nous envoyer dessus et tout. Bon bah prenez une pièce de stuff et vendez-la. Bon bah je suis mort, voilà, terminé.
parce que t'as dormi par Z. Par Z, il y a un mec sur... En vrai, il restait quoi? Il restait des cris. Il restait... Bah, il restait quand même 5000 balles de marchandises au moins. Parce qu'il y a tous les cailloux qui brillent. Ah, mais vu que Parzi a tué un gars d'émissaire, on a eu 5000 balles. Sans rembourse. Les mecs ils sont trop blonds quoi. Ouais mais ils sont en train en même temps de... En même temps ils sont en train de réparer le navire, c'est quoi? Lequel, le nôtre? Oui, bah oui. Oui en fait ils sont en train d'écoper en boucle en même temps pour bah, nous tuer en boucle. C'est des PK. Non mais au pire juste on reste tranquille dans le truc des morts, on attend. Bah non sinon vous pouvez s'aborder le navire je rappelle. Bah moi écoute, je prends les pierres que j'ai, je me casse au loin, enfin ouais, je vais vendre les pierres quoi. Moi j'ai voté pour s'aborder le navire. Moi perso, Osef, hein. Je vais juste essayer de voir si je peux prendre un caillou et aller le vendre. J'ai voté pour s'aborder. Comment on fait pour s'aborder le navire? Bah échappe mon équipage tout en bas à gauche. Salut mon canard. Oh. Bah je viens de mourir. Non non ça non. Ça porte quand même. Ça porte quand même. Bah tu vas me laisser me barrer bah, avec c'est... ça quand même. Casse-toi ça. Ça veut dire non non non. Rentre chez toi. Non 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 non. Si Faber, tu rentres chez toi. Your ship. Your ship is now my ship. Oui oui. Go home GI, go home. Oh, l'écho de ouf. Bon bah terminé. Voilà, fin de l'histoire. Ah qu'est-ce qu'ils nous auront tous traqué, putain, je crois qu'il y a qu'un sloop qui nous a pas traqué. Avec ce maudit Kraken qui nous a pourri la vie. Ouais. Là, je vois des tas d'autres cadavres qui arrivent. Il y a des gens qui se font encore tuer. Le serveur il est passé en mode fou de bourrin. Ouais, ça y est, c'est bon. Terminé. Et bien voilà. Ah bah attendez, il y a des loots là, dans l'eau. Il y a des loots. Ah ouais, j'avoue. Il y a aussi un bouillable de 3 personnes. Bah il y a une caisse de thé. Ouais. Ah, il y a une caisse de trucs à vendre. Mais il y a un requin. Il y a déjà un requin. Qui veut déjà me faire le boule. Insupportable. Il y a rien qui veut nous laisser peinard sur serveur. Il ne manquerait plus que le ciel nous tombe sur la tête et on serait bon. Bon par contre on a perdu toute la viandasse de Kraken. Ah, attends, moi j'en ai encore sur moi mais... J'en ai encore sur moi ou pas? Non j'en ai même pas. Parce que j'avais tout donné à Parzi du coup. Non bah moi c'est pareil, j'ai plus rien sur moi. Vas-y hein. Une boîte chèque. Hein. Vas-y reste une boîte. La boîte madame? Non elle prend pas. Prends pas la boîte. Des trucs sympas dans la boîte à loot? Ah vous avez. Il n'y a pas quelqu'un qui a acheté les boîtes. Ah oui si mais que de bois, pas de. Pas du reste. Et.
et que des trucs de base. Bon bah voilà. Bon bah voilà. Putain. Hein. Des bisous ton tube. Hein. Non, en vrai ça va. On n'a pas perdu tant que ça. Là, parce que... Ouais, mais on aurait pu tout sauver si Pardy m'avait pas dit. Ah oui, le machin là. Couillon. Ça faisait presque 30 minutes qu'il me courait après, c'est bon. Ah, on les a bien fait caler. Bon, on a quand même gratté 519 balles à la fin. Comme ça. Et une caisse de thé, je sais plus combien. Voilà. Bon, bah. Et, on a, et j'aurais fait 100 000 balles, à peu près. Voilà. Bon, bah. Des bisous, ton tube. Des bisous.